C'est les théories là. Miel. Ah oui. Ah merde, non, je confonds. Bonsoir. Attends. Mais les Coco Pops, ça rentre dans le cul ou pas? Non, attends, les Coco Pops, parce qu'il y a les autres aussi là. Merde, attends, bouge de la fille. Les Rice Krispies. Non, attends. Mec, t'as des Rice Krispies. Mais on se demande si on veut utiliser son cul comme bol pour mettre des céréales, le lait, on le met avant ou après? Non, c'est après, bien entendu que c'est après. Non, et du coup, alors, les Coco Pops, c'est bien les trucs de, au grain de riz soufflé, là. Attends, moi, les Coco Pops, j'aime pas, par contre, les Miel Pops, j'aime bien, moi. Merci, Hoffman, pour 1€. Hoffman qui dit, alors, on a bien baisé hier, Poléon. Mais Poléon, il est même pas là, en plus, Poléon. Il est pas là, hein. Putain. Ah non, il fait de ça. Quel gros loser. Et oui, le lait, toujours après les céréales. Et bien sûr que si, et tous ceux qui sont pas d'accord ont tort. C'est même écrit sur la boîte. Et c'est même écrit sur la putain de boîte. Ouais, mais sur la boîte... Je suis un déviant. Quand tu mets ton lait après et que t'as déjà les céréales, et ben ça gicle partout. Mais non, c'est juste que t'es un gros débile. Mais tu le mets pas en l'enfant. Ça m'étonne tellement pas de Spider. Spider qui sèche pas. Le mec il bénit les céréales à coup de lait. Tu sais, il prend comment, une pince Monseigneur, il éclate le haut de la briquette. Et ça met partout, dit. C'est quoi ce jeu de merde? Et on n'avait pas parlé aussi, Spider, du fait que tu versais ton jus d'orange, tu sais, dans les briquettes, c'était pas dans le bon sens à chaque fois. What? Non, mais de quoi dans... Est-ce que toi, tu mettais le bouchon en bas, en fait? Alors, faut le mettre en haut. Oui, et non, alors, faut le mettre en haut. Franchement, non, on va pas me la faire à moi. Y'a combien de gens, là, sur ce stream qui faisaient ça, avant qu'il y ait juste un truc Twitter qui fait « Non, mais en fait, faut le verser comme ça. » Mais tout le monde a toujours su ça, enfin, si t'as un peu d'éducation, si tu sais lire, tu sais verser du jus d'orange, enfin. Mais c'est fou. Mec, toute ma famille. Voilà, regarde. Je verse le jus avec le bouchon en bas. Et voilà, et ça fait des années que tu dis putain, ça en fout partout, c'est chiant. Oh là là, ça fait cool. Bon, vraiment, je les achète en bouteille, c'est chiant les briquettes. Bah non, après les briquettes, tu coupes le bout, tu fais comme le lait. Déjà que tu laisses le bout tranquille. Tu laisses le bout de tout le monde tranquille, ok? Maintenant, je renverse pas, arrête. Nous ment pas, Hunter, pas à nous. Voilà, Vince, il est d'accord, il versait vers le bas jusqu'à voir le post Twitter, voilà. Non mais c'est parce que Vince, il a 8 ans. Un stream sur Twitter, une bande de débiles sur Twitch un samedi soir, c'est pas très représentatif. En plus, surtout pas Vince. Je sais pas, je voulais l'insulter spécifiquement, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est bonsoir. Bon, Adam, t'as réussi à remettre ton micro d'aplomb? J'ai redémarré. Ok, donc écoute. Putain, c'est quoi ce bordel? Attends, bouge pas. Ouais, y'a mes voisins du dessus qui sont en train, je pense, de faire une compétition de hardstyle. J'espère que vous allez pas entendre le bruit du plafond qui s'effondre, mais y'a des chances quand même. Fais comme les petits vieux, prends ton balai, tape dessus, fais. Qui c'est qui baise? Non, par contre, ce que je faisais, c'était avec mon épée des Templiers. Ouais. Je la prenais et je mettais des coups au plafond pour que le voisin du dessus il ferme un peu sa gueule. Tu sais, il alors bougeait. Que tu vas être le locataire le plus bruyant de la partie. Oui. Franchement, après 2h du mat, ça va. Lui, c'était à 4h du mat qu'il bougeait des meubles pendant 1h30. Je suis désolé. Depuis tout à l'heure, il y a Villani à l'écran. Hein. Mais non, c'est pas. En plus, il voit même pas. Les gens ne voient pas. Oui. Ah merde. Bah moi, je le vois. Donc ouais, on va jouer à Super Séduceur. Enfin, on va jouer. Quoi? Avant, on va regarder. Annonce ou pas annonce? Annonce. Ouais. T'es là ou t'es pas là? Bah j'attends. Vas-y, fonce, hein. Vas-y. Là, Spider, lance-toi. Du coup, ouais, c'est mardi quand on a fait le stream de Dead Space 3. J'avais dit qu'il y avait une annonce qu'on allait faire. Et qu'on avait teasé d'ailleurs pendant l'opening du stream. Ah, c'était ça! Ah, c'était ça, ouais! Parce que pendant l'opening du stream, on a foutu des musiques de Rocket League. Et du coup, on a proposé avec les copains de faire un tournoi Rocket League sur la Megaforge, du coup, qui sera streamé. Avec un petit. Il y aura pas de cash prize de 500 balles. Hein, on n'est pas la Française des Jeux non plus. Ah, les fameux cash prize de 500 balles de la Française des Jeux. Ouais. Tu sais que la Française des Jeux a fait des tournois sur Rocket League. Hein. Oui, vraiment. C'est pas une blague. Hein. Oh oui, putain, oui, la vache. Voilà, en partenariat avec la Française des Jeux. Les tournois sponsorisés par Red Shadow Legends. Non, et. Et on peut tester. Hein. Et pendant le film. Red, vous avez notre email. Et du coup, voilà, ce sera dans un mois. On vous donnera la date exacte. Plus tard. A fortiori. A fortiori, ouais. Voilà, je sais pas du tout comment on dit, mais voilà. C'est ça, si, c'est ça, tu l'as bien dit. C'est genre, il tablait sur mi-mars, à peu près. Voilà. Et qui c'est qui va le streamer d'ailleurs, Spider?
Du coup, bah, je ne sais pas. Monsieur, il fait des plans, monsieur, il fait des teasers, mais il a aucune idée de comment ça va se passer. On sera au moins deux, voire plus, à commenter du coup les matchs. On verra comment. Bien entendu, Thierry. Bien venir. Du coup, vous aurez toutes les informations. Oui, oui, ouais, depuis tout à l'heure, je suis attentif, quoi. Ça va, je vous emmerde pas. Et du coup, t'as passé une bonne semaine, même plus tard. Non, c'est vrai, toi. Ah, j'ai fini le bouton. J'ai fait le bureau de là-bas tout à l'heure, je suis acheté un briquet, moi. Sur ce briquet. Bref, vos gueules. Il est tout turquoise. Même la petite, tu sais, le petit bitonio pour faire sortir le gaz. J'ai coincé le bitonio. Du coup, vous le lait dans le cul, vous le mettez avant ou après? Et si vous aviez une poire à lavement, si vous mettez un lait, en même temps, on dit ça, mais une poire à lavement, c'est vachement pratique. Tu mets un petit peu d'eau salée dedans et ça. Mais c'est super hygiénique. Mais mets-toi du pulco dans le cul. Tu vois, Momo, à ce moment-là, il se serait déjà marré du stream. Le pas faire ma pute. Mais bon. Continue à me vanter les bienfaits de la poire à lavement. Quelque part, la poire à lavement, c'est vachement pratique. Et puis, t'as des toilettes avec des petits trucs pour projeter de l'eau. Heureusement, je peux faire ça. Bref. Oh, il a muté de force dans le cul. Joue pas ça, Spider. Et la poire à lavement, le cul, c'est qui le coup? Devine. Faut pas jouer à ça, Spider. Tu sais voilà, comment ça voilà. Commence. Et voilà. Voilà. Bref, vos dieux. Moi je me roule ma clope pendant que la guerre civile arrête, hein, parce que. C'est bon! Ah! Mais non! C'est bon! Alors ne mets pas muet, fils de pute! Les gars, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour! C'était hier la Saint-Valentin! Oui, est-ce mais on. Que je peux finir le truc! Ah, t'as pas fini? Bref, et du coup. C'est pas moi, Spider. Je sais pas qui c'est, mais je vais l'enculer, sans déconner. Je suis en train de rouler ma clope, franchement, je fais rien là. Est-ce que je peux terminer sans déconner? Non mais je demande, hein. Non mais vas-y mais on est tous penchés à ténèbres. Il y aura des posts Facebook et Twitter pour annoncer tout le truc. Donc, vous aurez juste à vous rendre sur les réseaux sociaux, on vous les postera aussi sur le Discord. Donc voilà, ceux qui veulent participer, envoyez des MP, etc. Je sais pas si, peut-être on fera un salon spécial sur le Discord général. Tout le monde est invité, il y aura un petit prix pour les premiers, et ce sera par deux, forcément, donc trouvez-vous des amis ou allez vous faire en Ce sera du 2v2 à chaque fois? Voilà. D'accord, ok. Parce que je trouve que c'est le... Qu'est-ce avec le les plus... règles standards. Oui, voilà, il y aura pas de... Non, on fait que du basket. Voilà. Il y a du basket maintenant. Il y a du basket, il y a du hockey. Il y a du Valet Tudo ou pas? J'aime bien Valet Tudo, moi. Et bref, du coup, on fera ça vers mi-mars, donc ceux qui veulent... Il y a MTE qui demande, il se passe quoi? J'ai des parties cuisinées, tu peux recommencer, s'il te plaît? Spider, s'il te plaît. En gros, non mais je peux le faire vite. Championnat sur Rocket League, mi-mars sur Megaforge, streamé avec un petit cadeau à la fin. C'est principalement pour s'amuser et pour faire participer tout le monde, quoi. Mais voilà. Ah, c'est pour s'amuser, coup, d'accord, c'est pas professionnel, quoi. Mais si, ça sera professionnel. On aura le droit de jouer, nous, en tant que LMF, ou pas? Les streamers ont le droit de jouer. Bien on sûr, a le droit de gagner le prix à la fin aussi, ou? Ah bah j'espère. Oui. Bah oui, forcément. Ah, yes. Et comment dire, du coup. On a le droit de tricher. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, bon, bah c'est bon, inscris-moi alors. Et puis, tout le monde participera. De toute façon, on sera. Les poules seront. Comment dire, il n'y aura pas de. Oh, bah on est les streamers, on va se mettre en finale. Venez nous caper la gueule. Non, on sera dans des poules aléatoires. On va se faire enculer la bite, mais un truc de malade. On va partir en loser bracket. C'est très bien. Il y a Babyface Goff qui propose un tournoi sur Fear Online, sinon. Mais alors lui, mais. Retourne en 2004. Hein. Combien contre combien ce sera du 2v2? Du 2v3. Alors je pourrais proposer aussi. Vas-y. Mais là ça va être chiant. Tournoi de un petit ball challenge. Un quoi? Mais là faut que tout le monde s'achète Elite Dangerous et ça va peut-être un petit. Ouais, non. Déjà, par contre, Momo, si tu l'annonces dans un mois, tu vois, il faut au moins un mois pour choper les contrôles. Parce que là en plus pour un Buckyball Challenge, il faudra aussi le DLC donc. Mais pour un quoi? Je comprends pas. Voir les gruches, là. C'est pour un quoi?
Alors ça s'appelle les Buckyball Challenge, et en fait c'est des courses, c'est des genres de rallye. D'accord, il faut arriver au centre de la galaxie. Ça, c'est une course qui prend 6 ans. Tu sais que le speedrun pour partir du point de spawn jusqu'au centre de la galaxie, il a été fait en 6 heures. Ah, quand même, ça se fait, précis, ça se fait quand même, ça se fait. La dernière fois que j'ai check, hein, ça a peut-être été battu depuis. Mais... Tournoi sur la brute. On a qu'à faire ça, Let's go. Dans la semaine, on essaiera de régler, de vous montrer tous les détails du truc, à quelle heure, quand est-ce qu'on fera, tout ça. Et voilà. D'accord. En espérant que ça vous plaise. Merci beaucoup, Michel. Donc ce soir, on va faire donc du super séduceur. On va, écoute, apprendre un petit peu comment ça marche les relations humaines. Vu qu'on on a tous été élevés en laboratoire comme au début de Hitman 2. Et du coup, nous, on sait pas mais comment ça marche. J'ai été par des loups. Dans Hitman 2, en plus, c'est super compliqué. Dans les Carpates, j'ai appris à boire quand j'avais 13 ans. Ah, c'est les Carpates parce qu'il était à 4 pattes. T'es la 7, je l'ai fait comment? J'ai des scratchs. tu crois que Yannick Noé... Bref, on s'en fout. Donc bref, Super Séduceur 2, le truc c'est que... donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est un genre de jeu à cheval. C'est pas vraiment un jeu, c'est une espèce de truc comme au permis de conduire en fait, avec des choix. Et les choix, c'est vous qui les ferez, c'est pas nous. C'est plus ou moins un permis de Ken en fait. C'est un c'est plus ou moins la licence pour Ken. Ken. License to Ken. Oh yes. 0069. License to Schneck. Donc c'est vous qui allez voter. On verra un peu comment ça se passe. Si c'est vraiment trop chiant, c'est nous qui allons voter après. Mais si on termine au flic, ouais, on va reprendre la main. Voilà, genre je suis pas sûr que ce soit possible, mais on verra bien. Ça se trouve ils ont un téléphone rouge. On verra bien. Laisse-moi le jeu 10 minutes, tu vas voir. Espèce de déviant. Alors, écoute, c'est parti. Alors. Soyez pas affolés par alors déjà les images parce que c'est assez donc voilà il est quand même terrible ce mec. Il y a des chiblas en nom. Attends oui attends c'est là donc normalement vous êtes bien synchronisés avec moi normalement les gars. Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Ok. Donc, pour une fois on est tous avec le même écran sans latence. Ouais parce que je suis en train de streamer en même temps sur Discord pour les copains. Putain. Pour qu'on soit tous ensemble. La prochaine étape, c'est mixeur, poteau. La prochaine étape, c'est le stream simultané, mixeur, YouTube, multi-stream. Tu peux pas streamer sur le live. C'est pas je... Écoute, ça se tente, hein, mais bon, putain, lui est vraiment dégueulasse. Bref, je crois tu d'ailleurs montrer, que... Tu m'as montré tout à l'heure dans les paramètres. Oui. Quoi, dans les paramètres. Dans les paramètres, il y a un bouton en bas, activer, désactiver. Et je sais pas ce que ça fait. Un fois deux, je sais. Ça va super vite. Ouais, ça doit être l'affichage. Je sais pas, mais active. Tu peux Ken dans ce jeu. Eh ben, ça dépendra de vous, Apophis. Ça dépendra. Cela dépendra. On compte sur vous. Quelle suspense ils ont maintenant. Alors, attends, mode histoire. Je crois que d'ailleurs, vous allez devoir choisir le chapitre. Mais c'est à moitié bidon. Oh là là. Est-ce que même ça marche? Je suis dans un bar, ça a l'air bien. Je suis dans la rue, mec. Je suis même pas sûr que ça marche. Mais en plus, c'est loqué. Je crois que vous pouvez pas voter encore. On va voir. On va aller sur la première vidéo. Parce qu'en gros, ça c'est il bouge tout seul le truc. Mais ça scrolle auto pour montrer aux gens en fait. Ça scrolle auto pour montrer aux gens les chapitres différents, tu vois. Et moi, je peux les choisir quand même. Voilà, c'est ça. Tu marches dans la rue et une fille attire ton attention. Arriveras-tu à l'aborder et faire en sorte qu'elle te parle, qu'elle veuille te revoir? But avoir un rendez-vous instantané. Alors instantané, okay. Dis-donc. Tout le monde balance son GHB, pas le droit aux béquilles, pas le droit au coup de pied dans la chatte, ok. Donc me menacer avec une arme, on a le droit. Le German suplex. C'est le Arnold classique, ok. pas de violence, ok. T'as vu Elda qui dit il cherche des youtubeurs / streamers pour jouer dans le prochain jeu Super Séduceur. Je propose qu'on envoie Yadar. Je suis bouillant, mec. Résumé du chapitre, tu marches dans la rue et tu aperçois un petit barbu. Elle arrive, tu vas l'aborder. Et à te faire offrir un kebab. Eh, franchement, tu donnes un petit chèque, genre 10 balles. Attends, j'espère que ça va marcher le lien Twitch. Attends, est-ce que je peux regarder vite fait? Ouais, on peut s'inscrire, Elda ou pas? Faut aller lui parler sur Twitter direct, je crois. Hein. Mais alors, faut quand même rappeler que tout ce jeu est factuel. Oui, ouais, c'est les ça. Les techniques que vous verrez dans le jeu sont applicables dans la vraie vie. Et attention, par contre, on va, comment dire, ce stream, on est d'accord, c'est dans la bienséance la plus totale. Et ainsi que les règles de si tu regardes une fille trop longtemps dans les yeux, elle peut porter. Le respect de la femme, voilà. Les lois humaines. Bah, par exemple, là, dans le résumé, ils sont en train de parler comme s'il était en train de croiser une biche dans une forêt, c'est pareil. Qu'il avait un fusil chargé et qu'il devait faire. Mais lui tirer son cou, tout simplement. Faut faire gaffe avec ces gens-là parce qu'ils traitent les objets comme des femmes, hein. Allez. Si tu parles. Tu connais la différence entre une femme et un objet, Océane? Vas-y.
Je vais pas la faire. Oh. Ouais, c'était dégueu. Hey, Rochelle, tu sais c'est quoi une blonde au fond d'un garage? Vas-y, dis-moi. Les restes? Une clé à pipe. Putain, j'aurais dû avoir un... Non, je peux avoir un codec. Major, how can I fuck this woman? Ok, je vais cliquer sur jouer, j'espère que le vote va marcher. Ok, c'est Tipa. Ouf. Oh la démarche. Oh, c'est super fort en plus. Attends, c'est fort, c'est très fort. Bouge pas, je baisse un peu le son. Tac, voilà. Ouh, avec le gros trap, mon gars. Oh, mais regarde le ciel, c'est pas... ça existe pas, ça. Non, ça existe pas, ce chat. Y'a personne dans la rue, y'a personne. Mais on dirait qu'il est en France. Mais oui, je veux dire, il est dans quel bled? Mais qu'il est en Moselle. Oh, putain, ça commence. Alors, attention, alors... Tu fais semblant d'être aveugle. Alors, fais semblant d'être autiste. Est-ce qu'on s'approche directement de face? Est-ce qu'on s'approche de face et un peu sur le côté? Est-ce qu'on fait semblant d'être aveugle? Est-ce qu'on marche à côté d'elle? Est-ce qu'on siffle ou est-ce qu'on dit yo, ça va mademoiselle en marchant à côté d'elle? Yo. Toutes les réponses sont bonnes. Attention, toutes les réponses sont bonnes. Alors je suis désolé, il va y avoir un bot dans le chat qui va peut-être vous faire chier. Rentre dans le tas, ils aiment de séductive answer. Attention. Ah donc c'est vous qui choisissez vraiment en fait. Oh yes. Mais ça marche pas. Ah bah merde. Mais non, ça marche pas. Oh. C'est pas très poli. Ah c'est tout. Ok d'accord, bon. Fais semblant d'être aveugle. Mais tu connais. On peut voter, attends. Nous aussi on peut voter. Je pense qu'on peut voter aussi, ouais. Non, on va vraiment mater en fait surtout le stream plus qu'autre chose en fait. Mais tu pourquoi y a pas l'option de faire un Willy en booster en booster MBK? Et tu fais. Et tu peux pas l'attraper par les cheveux et l'entraîner dans un bosquet ou... Mademoiselle. Tu veux pas attendre qu'ils soient handicapés pour la foutre dans ta cave? Oh, soupir d'exaspération. Mais attends, bah, bravo. Ça marche pourtant, ça. Bah, juste envoyer... Mais attends, il a un accent british en plus, c'est-à-dire qu'il est anglais, le mec. On dirait le mec qui fait... dans 99... 99 francs 99 francs, quoi, il fait une... Comment dire, une... Dans l'avion là. Comment il s'appelle? Ah, Big BD. Frédéric BD. Oh, merci Pocho. Bonsoir, c'est ici pour apprendre à pêcher. Ouais, on est en train de vérifier votre licence de Ken, votre licence pour Ken, la licence de Ken. Pour l'instant, ouais, vous êtes pas très très bon les mecs, attention hein. Ouais. Donc c'est en train de choisir quoi? C'est en train de choisir F là surtout, je crois. Ouais, yo, ça va mademoiselle. Yo, what up? Ça marche pas ça. Ouf. Oh là là, regarde, à travers les buissons et tout, on dirait un slasher. Il faut lui parler une fois qu'elle s'est arrêtée. Il a dit you want to stop her. Faut vraiment la spire en fait. Ah mais ça je sais faire. Mais ça c'était une technique de drague fonctionnelle à Nantes. Hein. Le spire, ouais. À partir du moment où tu ne marches plus, tu deviens une proie. Enfin c'est comme un prédateur. Tout le temps mouvement, tout le temps mouvement dos au mur. du coup on voit le chat de la baronne qui essaye de se ranger du côté de la normalité. Ouais, à part certains qui fait approche-toi directement de face, trois quarts face. Trois quarts face. Elle a vraiment le but du trois quarts face, mais let's go. Elle sait pas que t'as fait du karaté. Attention. Ouf. Oh, Nico. La vache, 10 abonnements. Oh là là, merci Nico. Sortir sa carte bleue et l'agiter devant elle. Ah, Nico, il y a de la pêche. Merci beaucoup Nico. Bon, du coup, ça va spammer pendant un petit moment là à cause des subs. Et merci beaucoup. On a tout faux, quoi. Franchement, pour l'instant. On va s'approcher directement de face. On va lui de face. Tu vises directement la carotide. Et tu la soulages. Donc on est en train de partir sur A, apparemment, approche-toi directement de face. Il faudrait une version de banlieue. Bah, c'est un peu ce attends, passe, fais gaffe où tu vas là, mec. Pied-bouche, isn't a selective answer. Oh, attends, ça a sorti le trap là. Il y a de la trappe, ouais, c'est de la bonne avance. Ouf. Il a coup de coude. Wow. Mais ça va vite. Oh la vache. Putain. Donc, et voilà, fin du stream, c'est comme ça qu'on nique. Bravo, merci tout le monde. attention, faut lui parler quand même, c'est pas fini, il faut lui parler quand même. La réponse B, j'ai cru que c'était... La réponse B, j'ai cru salut, t'es une mineure.
Moi je dis de lécher là tout de suite. Regarde la D là, la D elle est pas la D. La D les mecs, la D tout de suite, ça va marcher de ouf. Mais c'est quoi? Mais c'est un détraqué sexuel. Si c'est un petit peu si c'est un peu un animal, elle va kiffer hein. Il y a que la mais c'est une femme là qui peut passer là. Allez, ça lâche des caisses, merci Nico. Oh là 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 là! Ah, mais il est devenu blanc! Ah oui, ah bah là il est déçu hein! Il est tout seul sur son lit en train de se palucher le pauvre garçon! Oh, c'est pas grave, je vais me branler! Oh tant pis, je vais me branler! Oh là là là, allez les gars! Succès des verrouillés offensive! Oh, on jure! Ah, on va avoir tous les succès de viol et d'assignation à résidence! Putain, une sarkozyste n'est pas une réponse séductive! Franchement! Je sais pas, mec! Mais je pense qu'il y a que la E qui peut passer! La C, c'est trop spécifique encore! Non, la A encore, limite! Mais non, la pas, non la A ça finie. Attends la aucune A ça passe plus pas. Ça passe plus la A. Ouais voilà ça passe en 2000 même en 1980 ça passait pas. Non, quand même. Mais voilà tu sais tu peux pas savoir c'est fait du yoga l'université c'est assez général. T'es sûr parce que t'as vu ton boule quand même bon. Bah voilà. Tu peux refuser t'envoyer balader mais après si tu fais tu as déjà vu dans un groupe. À vrai dire le 10 minutes ça peut passer ça a vraiment une 10 minutes bon c'est très formel mais bonjour. Après, tu dis, avez-vous une petite minute vous ça vaut 10 secondes pour ouais, salut 10 minutes oui au revoir. J'en ai plein des minutes. J'ai encore quelques années devant moi mais oui très exactement. Et elle meurt sur place et là t'as l'air con je suis désolé. Attends. Oh. No, actually. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vous lui avez laissé le choix. Ça, t'as pas une minute. Faut jamais lui laisser le choix. C'est de l'occasion de refuser, mais mec! Mec, alors, du coup, en fait, on va. Du coup, ce stream, c'était pas pour apprendre à Ken, c'est pour apprendre à choper une meuf. À stalker. L'enfermer dans un cargo. Ouais, et si, l'envoyer dans un pays étranger, je pense. Et se la faire prostituer. Bon, la débiter, pouvoir vendre ses organes. Après, en même temps. Avec des organes, tu t'achètes une belle montre, une belle voiture, tu déchoppes des meufs un peu plus. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est de l'investissement quelque part. T'as pas besoin de marcher sur le trottoir comme un connard, tu passes en SLS avec la musique à fond, avec du maître Gims, elle rentre tout seule la meuf, hein. Attention. Correct me if I'm wrong, but didn't you used to go to this college over here? I'm sure I recognize it. Non. Yeah, actually. Non, je mais non, mais attends. Pourquoi ça marche? Mais non, mais pourquoi? I did take drama. Ah mais d'accord, mais il part du principe qu'on est censé la connaître déjà, c'est complètement con. Mais... what was it? I don't know, 6 years or something. Attends, on va avoir toute cette conversation là. It's cool, we had both took drama. Mawashigiri. Ouh! Oh, les milieux, les milieux. C'est que la moitié apparemment, c'est que la moitié du cœur, je sais pas si ça compte ou... Non, ça va monter progressivement. Deux meufs derrière, elles étaient pas convaincues. Non, c'est une réponse. Pour nourrir les écureuils. Oui, bien sûr. Ah bon, on s'en fout de ce qu'il a fait. C'est une princesse Disney ou... Yeah, we got them to be our friends. What do you feed them? Like hot dogs. Tu vas voir mon dog, espèce de salope. Qu'est-ce qu'il est con. Yeah, merci Bana, merci Bana Rose, yeah, merci beaucoup mec. I do. Yeah. J'aime les animaux. J'adore comment ils kennent. Ouais mais elle nourrit les animaux et après ils ont plus l'habitude de chasser et de se nourrir eux-mêmes. Ils meurent, arrivé l'hiver, espèce de salope. T'as vu ce que tu fais connasse. T'as vu, mec, Arsène qui fait les canards, le mec s'est funé. Pour que ce soit elle qui parle le plus, tu es tellement belle, ça te dérangerait que... Oh là 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 là, bébé, les mecs, bébé, direct. Faut lui laisser parler. Faut jamais lui donner l'occasion d'ouvrir sa gueule. Ou alors claque. C'est une femme, elle va parler quoi qu'il y a. Une claque de fin de discussion, direct. Non, justement, si tu l'envoies, ça parlera pas, on parle pas la bouche pleine. Mais on parle pas la bouche pleine. Oh, Spider. Pas nous. Je sais. On t'a vu avec des chips. Oula. Pourquoi y'a pas de taser? Ouais, voilà. Fuck you. T'as de la chance. Fuck you. Je cherche pas à te la mettre dans le cul. Non, il a dit la main au cul, non? Oui, parce que bon. Oh, je veux juste te faire un bisou, je veux pas te la foutre dans le cul quand même. Je trouve ça un peu vénère. Ok, donc c'était pas ça. Je sais parler, c'est ouf. Coupe-lui la tête et baisse-lui la bouche, ils en essaient des petits bonnes soeurs. Elle est intéressante. Si elle croit qu'elle est intéressante, elle va te parler. Putain, mec, tu dois être le pire mec du monde. Adwin sort un Super Seducer 4 direct. Un DLC.
parle ça, beaucoup. C'est pas une réponse subjective. Ouais, c'est ça, elle va kiffer. Elle va se dire, waouh. Là, sa coiffure, il part en banane au mec. Hein. Et puis, il ressemble à un écureuil. C'est pas creepy, il y a un mec qui fait tuer beaucoup de temps dans ce quartier. Bah oui, j'ai plein de déconnes, t'as vite dans le coin. Oh, elle se casse. Oh, mais attends, j'ai pas lu, il a dit quoi comme question? Bah, il a posé des questions à la con. Ah, ouais, en fait, il a fait, t'as vu tout, tu peux pas vraiment la kidnapper, quoi. Faut privilégier la conversation et lui casser les couilles, en fait. C'est toi qui la fasse, la conversation. Faut lui casser les couilles jusqu'à ce qu'elle abdique, en fait, plus ou moins. J'ai l'impression. Bah, c'est comme ça qu'on éduque les chiens. Faut avoir toujours un petit spray d'eau avec soi au cas où, si jamais. Attends, attends, merci. Regarde, écoute. Voilà, exactement. J'ai sorti le mien. Oh, mais pourquoi? Mais tu parles pas comme ça, quoi. Cet homme est un bot. Bonsoir, voudrais-tu faire du sexe, moi, ce soir? T'as déjà entendu des informations sur le super collider du CERN en Suisse? Moi, je trouve ça vraiment super. Mais pourquoi la meuf à droite, elle a un chou qui sort, là? C'est parce qu'il est pas encore baladé. Il est pas encore tout à fait apprivoisé, c'est pour ça. Mais en fait, t'as l'impression qu'à chaque fois que t'as une bonne réponse, c'est des chou. On va louer des vélos? Quoi? Pourquoi pas? Tu veux être ma selle? J'ai dit un truc un peu politique, mais il ressemble pas un peu à sa fille. Et alors, comment te dire que... Comment ça te touche pour l'exciter? Regarde-moi ces défenses! Oh la vache! Oh les tueurs en série, mec! Oh les tueurs en série! Oh yes, mec! J'ai pas confiance en vous, les mecs, hein! Combien de balles pour B, j'ai envie de voir, moi? Yeah, and I like nuts. I like. Mais non! 92 balles pour B! On peut spam! Mec, t'as vu le truc, c'est. Je croyais que t'aimais les noix! Tu trouves une excuse pour retirer ta chemise et montrer ton corps. C'est bien sûr. Mais... non, merci, merci Nico. Merci beaucoup Nico. Tous en 11, ah bah là ouais. Oh putain mec, j'ai entendu que t'aimais les noix. Genre, je viens de mettre dans un cartoon, ça marche pas quoi. Tu veux être une petite écureuil? Même dans un film porno, les meufs elles disent non, c'est un peu vulgaire. Ah, c'est pas dans tes films porno, toi? Oh là. Il y a des gens au fond qui passent. Le mec il va montrer une grosse cicatrice sur le torse, il fait Athéna. Regarde, j'ai le même tatouage que Bernie Sanders. C'est l'Amérique. C'est pas cool, sauf si tu sais qu'elle est partante. Putain, tu dis ça pas dans la rue, quoi. Il a dit c'est pas cool. J'aime bien que c'est pas cool. C'est pas juste que ça pourrait te foutre en tôle. Non, c'est pas cool. Quoi, il avait chaud, il a enlevé son t-shirt, bon. Mec, ouais, c'est quoi cette réponse? Demande-lui quel genre de coiffure t'irait bien. Tu vas pas voir un inconnu? Tu le trouves comment, ma coupe? T'aimes bien ma chemise? T'es en train de marcher tranquille, tu vas à la Micheline choper un cookie, mec. Tu trouves qu'une frange, c'est tranquille? Ils sont comment, mes mocassins? Tu kiffes ma boucle de ceinture de Johnny Hallyday? Oh non, mais non! Non mais. Mais arrêtez de vouloir la toucher! La toucher, la toucher. Attends, elle a pas tout à fait dit non. Ouais, attends, c'est pas normal. Mais t'es sérieux? Mais non! Mais si tu vas en prison pour ça! Nanny the fuck! Mais ok, donc c'est parti. Donc on fait ce jeu là maintenant. Non, c'est. Elles étaient habillées. Oh là là. Oui, c'est parce que c'est une bonne mauvaise carte. C'est une moyenne. Regarde ce. D! Je peux pas voter. La main dans le franc! Je peux même pas voter. La main dans le franc! Oh putain! Mais en fait c'est ça, je crois qu'il y a des réponses qui sont vraiment bien et des réponses qui sont moyen bien en fait. Demande lui son nom et dis ensuite que tu t'appelles aussi comme ça. C'est marrant, ça. T'appelles comment, Jacqueline? Je m'appelle Janine. Oh bah vous aussi non. Oh putain, mais tabasse-le. Oh les mocassins, j'avais pas vu qu'il avait vraiment des mocassins. Je t'avais dit qu'il avait des mocassins. Un vrai gentleman. C'est une honte. Tu viens te présenter au bout d'un moment? Non mais le B, j'ai envie de le voir. Hein. C'est-à-dire que ça fait un quart d'heure qu'il parle. Arrête de tronquer les votes. Non, mais, faut pas spammer. Les, c'est un stream. Ouais,
Ouais, non, écoute. Oui, c'est un stream. C'est, sûr, oui. C'est déjà un stream. Un stream, Spider, merci. Bah, j'ai de la chance. Ah, d'où il me tombe les noix. Alexa. Attends, mais du coup, c'est voué à l'échec comme relation si tu mens sur ton nom dès le début. Non, 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 il est non, c'est une blague en fait. Il dit qu'il blague. Mais en fait. Oui, si c'est une blague, espèce de con. Ah, j'ai pas te faire croire que tu t'as fait. Ça, c'est bon. Poil. 100%. Oh, poil. Oh, poil. Mais oui, c'est marrant. Bien entendu. Tu connais la blague des deux pédés dans l'avion? Je sais pas, qui ressemble un petit peu à. Merde. Sid. Non, pas de la Gégalas. Merde, comment ça s'appelle? Dans Far Cry 5. Joseph Sid. Ah oui, si, oui, de ouf, carrément. Quoi, t'as pas de saucisson? T'aimes la saucisse? T'aimes le sifflard? Tu sais ce que c'est, deux trous dans un trou? T'aimes la sauce Biggie? T'aimes la sauce samouraï? C'est comme en vrai, parce qu'on l'écoute pas du tout quand elle répond, en fait. Moi, j'ai arrêté de lire depuis tout à l'heure. Et du coup, l'université. Sinon, tu ressembles à une artiste. Je m'appelle Alexa. Je suis semi-actif, ouais, dans la chatte. Ouais, il est au chômage, quoi. En général, j'attends juste en faisant la Patrick Little de mer qui efface tout le boulot. Il ressemble à quatre seuls. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Oula. Tu viens de donner ton numéro. Je dois aller rejoindre des amis, mais j'aimerais te revoir. Je peux avoir ton numéro. Vente un de tes passe-temps. J'aime bien collectionner les pigeons morts. J'aime ton allure décontractée. Je n'aime pas les filles qui essaient toujours d'être au top. Ouf, ouais, c'est vénère. Pas génial. Hein. Tu ouais, savais que les ovaires c'était gris. Tu savais que je les collectionne. D'ailleurs, les tiens, ils doivent être très beaux. Des fois, je congèle mon caca et je me sodomise avec. Je le congèle avant et je le mets dans un tupperware et je le mets dans une poire à lavement. Et après, je mets des céréales dans mon cul, mais c'est des cocopotes, alors on mêle les après. Ah, non, c'est non, mais il est en train de lui dire qu'en fait elle sert à rien. Mais en fait t'es moche, j'aime bien. T'as de la chance, j'aime bien les moches. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est vrai que je dis ce que je pense, hein. Ça me fait cringe de ouf, mec. Oh là là. Putain, mec, t'as vu le regard qu'il lui lance. Je faisais un compliment. Il y a une vieille derrière, elle est en train d'appeler les flics, hein. Je fais des glaçons avec mon pipi. Mes dents, j'ai mal. C'est super cringe, mec. Ouais, ouais, non, mais voilà. Ouais, bien sûr. C'est une vache. Quoi? Non, si c'est une vache, peut-être. En fait, je pense que c'est... Si elle commence à te casser les couilles, tu veux la remettre derrière. Oui, c'est ça, t'as kiné gentiment, quoi. Mais tu dis pas, j'aime bien à quel point t'es moche. Ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Donc la A, c'est irrecevable. Peut-être la B ou la C. Ouais, la B. La B, c'est le temps de casser la discussion. Il a dit qu'il était pressé, l'origine, je crois. Ouais, ouais, il peut dire, allez, je me casse, écoute, t'as pas un numéro, t'as pas un Facebook, t'as pas un MySpace, je sais pas, un truc. T'as un snap! T'as pas un caravane! Ton Insta il est pris ou pas? Il a deux doigts d'envoyer son cul en snap là! T'as un numéro de sécurité sociale! Ah, ça marche! Ça marche! Attends! Ouais, mais d'accord! Il a en vrai, mais un faux numéro et. Et dans le cas où t'es pas un mannequin british, faut faire comment du coup? Tu l'attrapes par la. Un pain dans la gueule! Ah! Quoi? Bien joué! Non! Trahison! Trahison, disgrâce! Ah, du coup, c'est quoi! Parce que sinon, l'autre. Non, tu vas pas te vanter! Bah, si! Apparemment! Ah, tu vantes un de tes passe-temps, tu te vantes pas toi! Oui, voilà! Ouais, bah. Parle-lui de la méga-forge! J'aime beaucoup sauver les enfants panda. T'as déjà joué à Doom Eternal? C'est un lémurien. C'est pareil, c'est la même famille. Oui, pas l'escalade dans le salon, espèce de connard. De sale merde, hein. Pour un con en plus ou quoi? Seulement 4 fois, putain. J'y suis allé que seulement 365 jours par an quand même. Pourquoi tu lui parles d'escalade? Mais comme ça, en fait, tu lui dis, hey, tu veux. Après, t'as des choublas dans ton lit, tu vois. Comme ça. Ça te dit d'escalader mon immense chibre. Mec, ça veut dire qu'attends, il y a des meufs qui ont dû littéralement s'allonger et avoir l'air de pute pendant littéralement 4 heures. Bah, elle se fait chier la meuf à droite, hein. Clairement, elle se fait chier. Et c'est la gauche, elle pense à ce qu'elle va faire. Any other like outdoor activities? Ouais, Ken, mon gars. Oh là, là. Tu connais Jean Rémy Gare? J'aime bien aller dans des parcs en vélo pour voir des écureuils et bander.
Rien branlé devant les écoles primaires. Oh là là. La plupart des sports est inventé en Angleterre. Oh, bien entendu. Ça, cup of tea. Le gros beauf, tu vas en train de tes trucs. Tu connais la pétanque. Tu connais le baby foot. Tu connais le jeu du palais. On écoute absolument pas ce qu'il dit, ça, Follant. Moi, je lis, moi. Tu lis, toi. Tu peux résumer, s'il te plaît. T'as entendu parler du Molky? Ouais, il est juste en train de parler de différents sports. C'est, il parle de lui, c'est tout, hein. Ouais, ouais, Chubby, c'est ici qu'on apprend à être un homme. Et, dis que tu as un mannequin de fesses et essaye de lui toucher le cul. Oh. Ah, mais ah, mais... direct. Ah. Alors, pourquoi il y a trois réponses où t'es programmeur et que tu vas te faire jeter? Alors, je vous avoue que je suis un peu vexé. Mec, le recruteur de mannequin, on dirait le début d'un tournage de cul. Là, ouais, ah, non, c'est la réponse qu'on appelle la Harvey Weinstein. En général, ça marche. Et la E, c'est vraiment une vanne de cul, la E. Non, mais ça se trouve, c'est son vrai boulot, en fait, on sait pas, mec. Ah, non, ouais, qu'est-ce que t'es la main au cul, en fait. Oh, j'aime pas les gens qui disent. Ah, fais pas ta timide, Didi en plus. Oh là là. Oh. 3 étoiles, un champion. Putain, ça se passait pas mal jusqu'à ce que t'essaies de toucher le cul. C'est cool, au moins on apprend, c'est bien. On apprend, oui, on apprend en s'amusant. FBI, open up. Une des trois programmeurs. J'ai envie de le voir, la B, moi. Comment je sais que ça marche pas? Programmeur, et parle sur la passion. B, 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 B. Non, il vote E, là. Non, il vote B. Adouine, laisse-les voter. Casse les couilles. Au pire, refais le jeu de ton côté. Ouais, voilà. Et sur un autre chemin. Oh là là. C'est B, du coup? Yeah, I work in IT, and that's ah, oui, c'est B. You know, people think IT is boring, but at the moment, it's like the most exciting. Oh, putain. Donc c'est comme ça que tu parles aux femmes, Adrien. So many cool companies. I really love my job. So happy. Parle ton salaire. Parle de ton salaire. And, yeah, it's fascinating. Non, il a dit qu'il aimait. Non, ça va, en fait. Eh, oh, putain! Mais c'est la bonne réponse! Adouimi va niquer! Adouimi va niquer! Il a pas dit que ça marchait jamais? Oh, merci Hoffman! C'est tellement cringe que même Malest TV à côté, c'est tranquille! Oh, quand même! Ok, donc les gars, trouvez quelque chose par laquelle vous êtes passionné et parlez-en avec passion, d'accord? Les jeux vidéo, ça m'en fout le ch'tain! Les croix nazis! T'as entendu parler du Battle Chess dans Doom? Parce qu'avec un nip, tu utilises un shotgun. Tout le temps. Merde, j'ai pas vu la question. Est-ce que tu fais chier des filles souvent dans la rue? D'accord, ouais. Seulement si elles ont l'air de vraiment vouloir t'aider. Oh, mais non. Oh, c'est horrible, mais c'est horrible. Vraiment, juste quand c'est des grosses salopes en général. Seulement celles qu'on les reconne. Well, you know what, there's a special quality I look for, and I would only stop girls from doing that exact thing. Attends. Okay. It's quite, you know, something special going on. You wanna know what it is? Un gros fion. Je le connais. The girl just looks like she's dying to fuck. Excuse me? Yeah, like she's just ready to bang right no, there that's and then. Oh là 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 là. Attends, est-ce que t'as entendu? Il a dit, when she's ready to bang. Oh là là, la vache! C'est marrant, c'est dans le jeu! Est-ce que dans la vraie vie, on a est-ce, que, est-ce que c'est Matrix en fait? Je crois qu'ils ont loadé un programme en fait. Mais est-ce que tu te rends compte par contre, ça veut dire qu'ils ont dû faire toutes les scénettes, ils devaient craver de choses à merde! Ah, mais t'es ouf! Par contre, ils ont dû vraiment se marrer, t'es ouf! C'est la Incel Life, ouais! Incel Life! C'est le mérovingien! Nom de Dieu de putain, le seul prénom qui est de ta mère! Non, mais faut être honnête, faut dire A. Ouais, faut dire A. Non, faut dire le truc du cul, c'était bien. Justement, il est honnête, le mec, il a envie de baiser. Le B, ça passe pas. Pas très souvent, non, mais. Tout ce jeu, c'est pour niquer. Si t'avais envie d'être honnête, faut lui dire, bah écoute, j'ai envie Attends, de niquer. Oh, en plus, les meufs, elles aiment bien les mecs spontanés, donc. Tu as des hanches larges, je fais des gros bébés. J'ai un gigantesque chimax. You never know what will happen. Oh, mais could attends, en friends, gros. Could date, or just have a nice en gros, elle accepte là. Tes chomblards sont laiteux. Elle a l'air de vouloir te taper. Oh, mec! Mais c'est la bonne réponse, mais. Nani.
Ça devient troublant mais honnête en fait. Ça va leur refroidir un peu, mais putain. Bah écoute, je suis sur le spectre de l'autisme. Oula, faut faire aucune erreur depuis tout à l'heure, parce que c'est chaud quand même. Je veux juste finir la séquence. Oui, non, bien sûr. Non, non, mais je veux dire dans la vraie vie. Ah oui, dans la vraie vie, oui, par contre. J'ai quelques minutes, si on allait prendre un café, je dois aller rejoindre des amis, mais j'aimerais te voir le numéro, J'habite pas loin et j'ai l'appartement pour moi tout seul. Oh, maintenant, trois petits points. Maintenant, le numéro, ça pourrait être cool. C'est, la vraie réponse, en gros, ce serait la B, quoi. Non, la D. A ou B. Un café, c'est pas... On va prendre un hot coffee chez moi. et puis, on fera boucher la lambeau, si tu veux. Bah, dans le café. On fera boucher la lambeau. Bon, là, je suis à vélo, mais... C'est parce qu'il est au garage. Je l'ai emmené à Noroto la semaine dernière. You know, hang out. La gueule de prédateur qu'il a. J'ai des trucs à boire. Oh là là. Surtout qu'à chaque fois qu'il fait un truc comme ça, il se rapproche un petit peu. Oui, c'est ça, oui. Il va être dans elle bientôt. Hein. J'ai des trucs à boire, genre tes gros chomblards. Mec, t'as vu ce qu'il a rempli dit de lait. Il a dit en gros, tu sais, elle fait non, désolé, j'ai des amis argent. Il fait, bah, elle peut venir et regarder. Oh, merde, j'ai même pas vu. Attends, faut que je me concentre sur les sous-titres. Mec, les sous-titres, c'est la meilleure partie. C'est le gros stibat, quoi. That you know when they're gonna say yes, something like that. Otherwise, it just shouldn't be attempted. J'adore ce théoricien. Limonade de chat. Graine de chat. Devenir un petit lait coco. Tu sais comment elle bronzait. L'ombre des oiseaux caressait sa peau. Elle bronzait au lait de coco. La pute. Ça vote sur quoi? Ça vote sur du B là principalement? Ça vote sur du B là. Mmh. Elle nous a déjà filé un faux numéro tout à l'heure, elle va nous le refiler maintenant. Non, mais maintenant elle a accepté. Tu crois qu'elle est revenue? Elle est en confiance. Elle est en confiance. La B va nous kick. Listen, now I need to meet some friends, but why don't you give me your number and we'll keep in touch and find the time to meet. Oh. Ah, je savais pas que tu t'appelais Mère Teresa. Elle va tomber sur les photos de bite du mec là. C'est la moitié hein. C'est pas le meilleur résultat. Ce qui veut dire que tu as pris quelques décisions à revoir. Fallait la reel encore, c'est un peu comme la pêche dans Stardew Valley en fait. On a fait toutes les mauvaises décisions, mec. Faut la calmer. Oui, bah à la fin on a eu un numéro quand même. Casanova, mon gars. Bah voilà. Choix correct, 66,6%. On est littéralement l'antéchrist. Donc je pense que... Oh, attends. C'est quoi ça? Teaser. Oh, juste musique Jazzy Lounge, starring The Skulls Parasite Unit. Oh, merde. Hideo Kojima. Des gros chamblers. Mais je préfère être chez moi à jouer à Horizon. Ah, direct, comment vas-tu? Oh, la vache, la vache. Ah, mais c'est parti, let's go, ok, pas tant de niaiser. Demande-leur si elle parle de toi, si elle répond que non, demande-leur pourquoi. Oh, yes. C'est super! Oh, la réponse de ma cœur! Mais c'est génial! Approche-toi d'ailleurs! Je vais la ressortir celle-ci. Mais c'est trop cool! Une réponse à la Franck Dubosc! Bonjour, on se connaît? Bah, je crois pas, non! Et tu trouves pas que c'est dommage? Demande si les filles savent que tu aimes chez une fille, ajoute que la réponse est ta bite et montrez-la! Je veux voir ce. Oh, mec! Mais non! Oh mon dieu! Mais. La mec super classe, en fait! Mais. Elles sont en train. Mais. Attends, mais comment il fait ça? Il a un petit côté de lui. Mademoiselle! Ah bah t'inquiète pas pour deux. Ah! My dick! Attends, parce que là c'est pas fini! Ça marche très bien! Attends, ça marche! Non, ça marche pas! Mais si, ça marche! My dick! Attends, quoi? Pardon? Quoi? Comment elle marche? Quoi? Mais en fait, ils nous ont pas prévenu du contexte! Que c'est une boîte échangiste! Et juste après, il casse le verre en deux! Regarde le pauvre! Oh, mais c'est trop cool! Oh mon dieu! Mais c'est la pire réponse possible! Je la travaille! Anastasia, elle s'appelle! We're fine, really, thank you. Mais tu vois, au moins, elles ont rigolé! Au moins, je peux te donner mon numéro! Eh, fille qui rigole à moitié dans ton lit, hein! On va donner à manger aux écureuils! Ok, c'est foutu de toute façon! Oh non! Le. Oh, le pauvre masturbateur public! Oh non! Oh, de déviants sexuels à juste suicidaire! Oh non!
S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Rien en rapport avec ta bite. Oh, il y a M2 qui vient de se faire vanner. La M2 qui demande à la grosse boule, tu sais comment on ken, et la grosse boule qui répond, ta teubie dit que non. Oh la claque. Oh la claque. Oh la vache. Ok, ok. Approche-toi d'elle discrètement par derrière, mec, tu finis. Je pense que la A peut passer, parce qu'ils ont l'air assez ça, ils ont l'air assez ouverts. Mais ah bah oui. Le mec qui monte sa bite te fera pas mal. Du coup, il se fort. Tu vas derrière elle, tu mets le couteau au niveau de la nuque, tu fais talk. Thanks, boss. Tu connais Peace Walker? C'est le meilleur opus. Oui. Oh. Mec. Oh mon dieu! Mais non! Oh, mais c'est terrible! Oh, il a maté l'univers! Il a maté l'univers! Regarde-le! Eh, hey, comme salut les filles! Oh, le Nosferatu! Oh, bah tiens, allez, mange-toi! Alors, sur le front, il faut là. Quand même noter que montrer sa bite, ça les fait pas partir. Apparemment, ouais, 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 ouais. Mais par contre, arrive pas derrière, c'est impossible. C'est la surprise en fait qui les dérange, je crois, surtout. C'était Morbius avant l'heure en fait. Ouais, voilà, c'est. Ouais, c'est Jack Nicholson, mais de ouf, il va se masturber sur le canapé. Ouais, là, je sais pas, ouais, la A, elle a l'air bien, non? La A, mais la E, ça fait que qu'en fait, la E. Bah non, non, tu dis que t'as une pote et puis qu'elles ont l'air d'être des femmes. Ouais, ouais. Mais tu penses qu'après tu pourras répondre genre un cadeau en forme de god ou n'importe quoi. C'est une énorme bite. Mon énorme bite dans l'achat de mon ami. Dropkick, j'espère qu'il va arriver du plafond genre, sur la terre. Alors, c'est le bras autour du cou, j'arrive pas. Vous connaissez Kurt Angle? Non. Well, why not? Oh, original Chad, le vrai Chad. Génial comme approche, faut que j'essaye. Number one, and then number two would be about guys, and number three about shopping. Like top three subjects. Mm. On parlait de la NASA en fait. Il craguait en fait. Ouais, du cours d'avion. Le troisième, c'est le shopping, c'est mon truc préféré. Puis tu dis. Et t'en fais aussi la micromania, les gars. Mais... Et bah voilà. Et bah voilà. Vous voulez voir ma carte d'abonnement à Micromania? J'ai 9 tampons plus qu'un dernier, je pourrais prendre une même. Je vais avoir une réduction de 10 euros. Vous connaissez Neko Para? Ok. Donc là, faut éviter de faire une crise d'épilepsie, quoi. Ok, je vois. Déjà, ouais. Et de pas montrer ta bite. Ok, donc ça, je retiens. La maternelle. Mais la maternelle, mais abruti. Mais. C'est. Je trouve ça flippant, moi. Oh là là, mais. Non, absolument pas. Ah non, la biologie, connard. J'ai fait des mathématiques. J'étais en méthodologie analytique. J'étais à Sciences Po, mais écoute, voilà. Et voilà, on économie, yeah. C'est le business, et voilà. Yeah, gros bravo, connard. Bon, là, tu prends une gorgée, là. Faut que ça passe. Fais un lien avec son entrejambe. C'est reparti. Comment faire en fait? Ah, les mecs, ah, direct. Ah, 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 ah. Elles sont matérialistes, affirment que le monde irait mieux sans argent et mets-toi. La terre va mal. La terre mal. Mère nature souffre. Non à la guerre. Ah, là, ça dit que c'est mignon et plus simple que les vraies matières comme les maths et les sciences. Oh la vache, checkmate atheist. Ah, c'est mignon, une femme qui fait des études, on dirait un singe avec un vélo. Brazilian jiu-jitsu teacher. You know, it's like this martial arts. Oh, le lynx. Attends. Listen, teacher. Écoute, Richard. I met many women, and every woman, she has business between her legs. Anastasia, ça la fait pas rire. Anastasia, ça la fait pas rire du tout. Ouais, mais par contre, elle a l'air chaude. C'est un peu vrai. Oh merde. Mais tiens, j'arrive, mais t'es une grosse pute. Non, mais c'est un peu vrai. Allez, entre nous. Vous les avez achetés. Ken avant de venir. Renato. Tu casses les couilles. C'est un franc samouraï, le mec. Ça marche pas.
And what about you? You use it? No. L'autre, elle a l'air suspecte, elle est pas le regard caméra qu'elle a fait à gauche. Putain. Et voilà pourquoi, en tant que société, on a besoin du compte Silcari. Là, elle sort son Glock 17. Elle lui met trois pruneaux et elle dit qu'il l'a attaqué. De toute façon, elles sont lesbiennes. Bien que ce soit très sage et très spirituel. Voilà, il dit pas que c'est faux, il dit juste qu'il faut pas le dire à une meuf. Bah oui, c'est clairement un prédateur sexuel en fait. Essaye de pratiquer bien. Il y a un sombrero dans le fond, ça me tue. J'ai pas vu. Dans sa chambre ou dans le. J'ai envie de le voir. Votre métier, c'est de la merde. Oh ouais, le E il est pas mal. Le E et le D sont pas mal. Hein. Moi j'aimerais bien voir le D pour voir comment il chante, s'il a une guitare ou quoi. Bordel, c'est des blondasses. Mettez des Asiates, c'est mieux. Oh ok, main dans le slip. Mais ça va puis, ça sort pas le soir des Asiates en plus, ça fait le ménage et du kung fu, je sais pas quoi. L'attaque frontale. Pourquoi pas un truc plus dur? Ouais, c'est facile, t'as déjà essayé le jiu-jitsu brésilien, connasse. Renato, il m'a dit, Huracan. T'as chaud pour ton mec. Je vais marcher sur la ligne, je vais sortir. Oh le relou, mais regarde. Hey, mais... mec, il arrive juste pour les engrainer en fait. C'est juste un bâtard. Quoi, il se fout de sa gueule. J'ai envie d'être ce mec là. C'est vraiment Spider en fait. Oh, c'est Spider, c'est tout. Ah, le fils de pute. Ne sors pas avec toi, Spider, s'il te plaît. Ce mec, c'est mon idole. You two geniuses are just amazing. Quel bâtard. Pourquoi vous avez pas vu ma bite? Il y a pas de blacklist, espèce de connasse. Non, il y a juste du calibre 12. Tu vas voir si t'arrives à mon magasin de fleurs, tu vas voir. Et toi, vous voulez pas trouver? Tu connais Okuto no Chat. Et il est plus lourd qu'un super tank. Mais non, mais c'était même pas juste l'attaque. Il l'a pas taquiné, il l'a bourriné. Il les a humiliés pendant 20 minutes. Non, la D, essayez la D, j'ai envie de l'entendre chanter. La D. C'est bien les streams où j'avais rien besoin de faire. En fait. J'aime bien, moi. Tout à l'heure, je me branle pas, mais je me gratte les couilles. Non, mais moi, je me branle, par contre. C'est vrai? Tu comprends? Tu connais le jiu-jitsu brésilien? Tu comprends ce qu'on ressent sur les streams de Metal Gear, en fait, c'est super cool. Hein. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Oh, that's so disappointing. C'est tellement décevant. Putain, dis-moi. Oh putain, j'en dis. We are the world. Tu connais Rey Mysterio? You're wearing this suit as well. This is from a charity. Non, regarde, je peux l'enlever. Ça vient d'un magasin de charité. C'est un vétéran qui est mort dedans. Ça y est, pire. Le mec, c'est un vampire. C'est Dracula. Chante, s'il te plaît. Chante, s'il te plaît. Chante Bombe Atomique sur l'Afrique, s'il te plaît. C'est ça qui peut te sauver. Bombe Atomique. Why would they do that? Come on. I don't know. Chante. Don't ask me. I have no. Impressionne-les. Anyway, look, it's all about the philosophy of it, and I think. Oh putain, il va chanter Imagine. Il va chanter Imagine. All the people living happy without money. C'est pas du tout une chanson. Ça existe non, pas du tout, hein, mec. Hein. Il la touche, il la touche, il la touche, il la touche, il la touche. Stranger alert, Stranger alert. Appelez le vigile, appelez le vigile. Besoin d'argent, 10 camions, pas de poète. 10 camions, tu mises fry. Écoute-moi bien, connasse! J'ai pas besoin d'argent pour en trouver le bonheur! Je suis millionnaire! D'amour! Elle est chum, Yoko Ono, non? Ah, elle est horrible, mec! Non, tu peux pas.
How about you? Je vois pas à quoi ressemble. Ah, tu vois un litchi? Et par contre, en fait, la meuf à gauche. La meuf à gauche, c'est de la figuration, quoi. En fait, elle regarde, elle fait juste des mouvements. Bah, c'est parce qu'elle est moins belle. Ah oui, si, si, c'est la femme de Janelle, elle est dégueulasse. Ouais, elle est dégueu, ouais. Elle l'a tué en plus. Le rapport. Mais non, elle l'a pas tué. Et voilà. Au moment où il a pas oublié son verre. Ok, you saw that. Example, but now go back and try to make the right. Alors, déjà, tu me dis pas ce que je dois faire, connard de hippie. Bah, ça va être B, non, de toute façon. Hein. B ou C, ouais. En fait, B, je pense que c'est la. Comment dire? Ouais, c'est. C'est la réponse totale et C, c'est genre. Ouais. B et C, ça peut passer. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est ce que j'ai caresse, donc oui. Ah oui, à la fille qui te plaît, je croyais qu'il parlait. Entre dans les détails à propos de la fille qui te plaît. Genre, moi, j'aime bien. J'aime bien Megan Fox. T'as déjà vu Transformers? Je sais pas, depuis le détail, ils veulent parler. C'est quoi ton Transformer préféré? Moi, c'est Starscream. Moi, c'est Soundwave. Avec la contenture. Barricade, il est bien. C'est mieux que le business ou moins grosse pute? Non, je pense pas. Je pense qu'ils étudient Instagram. Ouais, ok, connard, j'aime bien Instagram. Le râtelier qu'elle se tape, celle de gauche. Ah bah, ouais. Ah, tu pourrais enlever la tapisserie avec ça. Elle a les dents qui courent après Beefsteak. Tu crois qu'elles ont été dirigées par un réalisateur, les deux gonzesses, là? Ouais, ouais, en permanence. Il a dit bouge pas, vas-y bouge pas encore, bouge pas encore plus. Voilà, c'est bon, pendant une heure et demie. Moi, j'espère plus. Moi, j'espère plus. T'es bien, là, t'es bien. C'est parfait. Il y a Fini qui fait tiens, Ludo, regarde comment on braille. D'abord, t'arrives dans un bar, tu lui montes ta queue. Oubliez pas les gars, faut les taquiner jusqu'à ce qu'elles acceptent votre présence. Okay. Racontez des blagues en boucle. Même si c'est pas drôle, hein, tout en fou. Ouais, mais surtout c'est de la blague des deux pédés dans l'avion, la capote en pot de saucisson, la différence entre un juif et une pizza. Allez-y à fond les gars. Ton meilleur, tout le temps. D'ailleurs, ça va niveau son ou quoi? C'est pas trop fort le jeu? J'ai l'impression que c'est un peu fort. Putain, mais vous allez le boire ce putain de verre de vin. C'est le mec dans le fond de la boîte, il commence à perdre patience, t'es ouf! Il a fini, il fait 6 8 à qui il l'achète, ça se passe comment? En prison? Il est en train de s'éventer, hein! Ça va plus être bon! Mon whisky coca, il va périmer! Tu parles des verres ou des nanas? Les deux! Elle commence à sécher! Fais le test de la meilleure amie, demande laquelle est la meneuse. Regarde la fille qui t'intéresse, c'est du lit, qu'elle a des yeux magnifiques. Demande à son amie de vous laisser seul un petit moment. La D, la D, la D direct. La D, elle est sèche. La D direct. Faut savoir prendre le taureau par les cornes. Bien sûr, tu prends la pute par le string, pareil. Mais là, tu la fumes. Ra, 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 nego. D, 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 bah évidemment, D, 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 D. Et toi, là, moi, je suis plein de niquer ta rage. Va voir là-bas une navette. Rentre chez toi. Dès comme dégage la cruche. Anna? Anna? Tiens, je te paye 100 dollars. Faut que... Casse-toi. Ou Charles. Ah, mais il a viré comme un yo. Wait, I'll get to you in a minute. Listen to me. Excuse me? It's not, you know, three's a crowd. Non, non, non. Un petit joueur, trois, c'est jamais trop. Moi, je dis 60, tu dis. Je lui ai dit, viens, on joue à un jeu, toi, tu te casses. Ah, c'est super. Tiens, on joue à un jeu, toi, tu te barres, et nous, on baise. Et toi, tu suces. Tu vas me refaire un autre Skycock. Tu es pas bien, merde la pute. Allez, va siroter un Malibu Coco, laisse-nous tranquille. Tu es beaucoup plus sexy qu'elle. Oh, shame. Attends, elle s'appelle Anya ou Anna? Anna. Même les sous-titres, elles ont pas compris, hein. C'est très généreux. Ils se battent des couilles. Ok, il a l'air attardé de ouf. Je crois qu'il est sur le spectre de l'autisme en fait, mec. Oh là là. Je m'en fous. Tasse-le. Non, mais s'il te plaît, j'ai besoin de ton truc. Alors, whisky. Et maintenant, tu passes derrière le canapé. Et tu montes là, tu reviens et tu montes ta bite. Tu t'es dit, c'est moi encore. Les filles sont très loyales entre elles. C'est fou. Oh là là. C'est des chacals. Je rentre dans le club en mode chacal. Fais-lui la blague du Monténégro. Ah bah, s'il faut le Monténégro.
On a fini la page, t'en supplie. Ouais, non, non. Mais tu connais la blague du noir dans le starter? Non, on dit que oui et on la fait pas. Demande-leur pour qui elles ont voté. Et mets-toi de leur côté. C'est ce que c'est une pute portugaise dans un avion. Et tu sais comment ta pote a retiré une capote? Elle lâche une caisse. Tu tapes la cuisse de Swan. Tu la tapes dans le dos, tu sais. Oh, et on déconne. Mec, même ça, c'est chaud, quoi. Mais bien sûr que c'est chaud. Oui. Bien sûr que c'est chaud. No, think about it. One of you would choose more than that. Well, she decided to come here tonight. So you're the leader. Congratulations. Oh là là là. Where we had dinner, so you know. C'est vrai qu'elle allait donc qui court après beefsteak, hein. Yeah. Yeah, really. T'as beaucoup, t'as beaucoup de gencives. Il court à travers toute la charcuterie. Il ferme jamais les lèvres, quoi. Constamment comme ça. Ah, c'est la femme. Hey, bonjour. Je m'appelle Anna. C'est Nemesis dans Hero 3. Elle arrive pas à prononcer les M. Ma. Ça tombe bien, il y a pas de M dans Suce ma bite. Ah, si. Mais quel. Attends quoi? Mais attends, mais quoi? Je sais même pas ce qu'on lui a dit. En gros, tu fais c'est laquelle qui dirige? Elle fait ah, mais en fait, on est toutes les deux pareilles. Mais ok. Pourquoi il commence à prendre. Comment dire? Mais par contre, l'autre à droite, on dit. Mais c'est, attends, c'était misleading parce qu'on pensait pas qu'il allait dire ça. Je pensais qu'il allait dire c'est qui mène? C'est toi? Alors toi, casse-toi. Écoute-moi bien, c'est moi le patron ici. C'est la droite qui ressemble à Jill dans le film Resident Evil 2 là. Ah oui, ouais, ouais. Avec mon nichon, quand même. Après, j'ai pas regardé. Elle aime les burgers, la pute. Les burgers et les frites. Elle a dit, je te mets de la salami. Dis-leur ce que tu as fait. Quoi, quoi? Attends, gros, attends. Ça mixe aussi bien car elle peut mettre n'importe quoi dans sa bouche. Oh mon dieu. Mais attends, dis-leur ce que tu as fait. C'est quoi? C'est le jeu qui me parle là? Qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est, elle disait vous avez fait quoi? Et du coup, elle fait ah bon, okay. J'ai mangé un burger et des frites. Elle veut pas le savoir où j'ai caché les cadavres. Oui, non. Ok, non, d'accord, non. Ok, ça va. Mec, là, j'espère qu'il dit ça juste après avoir chanté John Lennon. Good in another way because it means you'd put anything in your mouth. Huh? So, for example, wait, bear with me. Gauche, so, for example, you could, you know, eat a few burgers with ketchup and fries. You could eat a few chicken nuggets. Mon énorme chibrax. Oh non! Oh là là, Masterchef! 8 bits supplément foutre! Couille! Oh, oh non, la masterclass à la française! Parle-moi comme une de tes françaises direct! Oh putain! Je m'en foutre avec du ketchup! Je suis un mec comme ça! Oh putain! Crash à des yeux! Mais mec, ça fait 3 quarts d'heure! Mec, t'imagines, dans un bar, ça fait 3 quarts d'heure! Il y a un mec comme ça! Tu fais quoi comme étude? Ah oui, l'économie, ah, c'est dur l'économie, bravo! T'adores les bites ou pas? Le fromage de tub, c'est bien que t'aimes les burgers, tu vas pouvoir bouffer la bite! Mec, c'est super! Il fait beau aujourd'hui, il est pour l'enlèvement. Putain, on est obligé de se manger tout le passage ultra cringe après, mais ça fait mal. Dis-leur d'aller se faire enculer, c'est tout. Attends, on joue un petit peu au con. Non. C'est trop sexy quand tu regardes en bas. Quand tu regardes. Oh là là, laisse-les, c'est bon, on a fait la phrase, casse-toi maintenant! Mais ta gueule! Ah, ma gueule! Mais il est fou, lui! C'est vrai qu'il a un petit côté, ce Furon. Le mec, il se lève, il fait la blague de la vanne de Bigard et la déchirure contre la table. Ils ont même pas fini leur vin. Au moins, t'as deux verres gratis. Je te retrouverai. Oh, le malade mental! Tu es Skycoach? C'est très marrant. Ouais, ça parle loin de ouf, tu oublies, franchement. Bon, du coup. C'était quoi du coup D, c'était dire marrant. Tu es vegan et que tu veux les convertir. Ouais, D. D. Un gros con. T'as qu'il est en disant que c'est un peu incongru. Non, mais ça c'est rigolo. Bah, oh, vous êtes... Si tu veux faire le truc vegan, mec. Mais ah ouais. Non, B, je suis sûr que quelque part ça peut marcher, mec. Ah oui, moi je te parle de ce qui marche. Ah oui, non, oui. Mais... Bouffe sa salade de fruits. Oh, le mec. Ça va, I love me.
Oh bah bah, tu les pauvres petits animaux. Ces personnes, je les mange, c'est là. Alors, en fait, ça, par contre, cet extrait-là, c'est Twitter. Ouais, c'est Twitter, ouais, c'est Twitter. Faut envoyer juste ce clip-là, en fait. Il est en train de lui faire une lecture, en plus, quoi. Le mansplaining. Le man, c'est exactement ça, c'est la définition même. Le cug. Imagine dans cette situation si c'est un des gars des barbecues pitbulls. Hello girl. Je pense qu'il se fait fumer direct. I'm going down to the ass of sausage. Mais ferme ta gueule. Quel connard. Oh, j'aime ce gris vert. La laitue, les concombres. Les chibres. Il lui restait des courgettes après, mais bon. Genre, en plus, tu sais, dans cette situation-là, ça peut ouvrir une discussion, tu vois. Mais une discussion. Lui, c'est un inquisiteur. Pardon ? Ouvrir une discussion. I am losing my merde. De quoi ? Donc faut aller dans un bon gros kebab, ça veut dire. Écoutez-moi bien les beurrettes. Faites du mal aux animaux. Mec, tu vas te faire chasser un coup de cimeter, t'es fou, quoi. Mais oui. Franchement, ignorer sa pote. Franchement, tu l'as dit. Il faut un peu plus d'attention, mais un petit peu plus à l'une pour qu'elle se chamaille et qu'elle s'arrache leurs vêtements et qu'elle se batte sur la table. Et continue à lui donner un mauvais prénom à la deuxième. Et c'est quoi, carniste après. C'est quoi ton nom, Michel, ça? Réponse D, André, Raoul, le quoi? À direct. D'accord. Il y a même pas de budget. Ils avaient plus de budget pour tourner la scène. Je crois pas, ils ont oublié. On les a virés du club. Il y a le gros Dédé, il est arrivé avec sa chignole. Et quoi, c'est vous? C'est non, alors. Mais faut faire ça, faut créer de la compétition. Regarde-nous à Boom que faire de l'argent derrière. Oh la vache. Non, mais, ok, nique ta mère, ma scène. Elle fait de l'économie, c'est ça. S'il n'y a pas d'émulsion, s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'avancée. Donc, supply and demand, il y en a parlé tout à l'heure. C'est exact. À moi. Oh putain. Je les baise. Mais Adwim, c'est hit, en fait. En plus, il en a deux dans son lit. Donc, ah bah après, il y en a une qui est une meneuse, donc quelque part, ça fait un blow, en fait. Pourquoi il drague depuis tout à l'heure au départ mytho alors qu'il y a ça dans son lit? Non mais il a le droit d'avoir ça dans son lit que quand il drague bien, en fait, donc c'est un peu sa malédiction. I like to dance. You're a dance? Ok, m'en fous. Tu penses? Non, c'est une blague qui marchait mieux en anglais, en fait. Tant pis. C'est pas grave. Ça se voit pas, gros cul. Pardon. Oui. Tu fais du sport? Bah continue, c'est bien. Tu fais du sport, mais avec tous les McDo que tu t'avales, gros cul, tu m'étonnes que tu vas faire 2 minutes d'elliptique. Salope. Oh là là. Oh, et voilà. Dis-lui que tu aimes les combats de chiens. Ah mec, la A ou la C, la A ou la C, les mecs. La A ou la C, mec. Attends, ça vient les choses, mais moi, chien. C'est super. T'as vu les tuches? C'est mon jeu préféré, mec. T'as vu les tuches? Oh non. Ah si. Non. C'était pas toi. Non. Et là, elle a mis. Oh non. Non, elle a mis mort. Oh, il part que Corrette. Oh, wow. Et là, t'as un écureuil qui arrive. il a plongé des amants. Enfin bref, vous connaissez Yoko Ono. Elle se barre plus vite là que dans les autres trucs qui sont bien plus vénères quand même. Oh, mec, et puis, elle laisse leur putain de verre de vin. Moi, ça tout le temps. Même si c'est pas si c'est à quoi tu pensais, il faut pas le dire. C'est s'il vous plaît. Les combats de chiens. Combat de chiens. J'adore les combats de chiennes. J'ai deux colliers, ça vous dit pas? Par contre, franchement, la D, elle est bien aussi. Vous voulez des croquettes? Dis, tu as un poisson.
Moi j'ai un poisson. Faut essayer la D. Après faut essayer la D. J'ai un poisson. J'ai appelé Flippo. Oh. Like, have you seen this greyhound race? Non, non, quoi, pas ça, pas les courses. Yeah, yeah. Really non. Non, non, c'est les pas, c'est pas, c'est pas. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, le personnage de Snatch. German Shepherd. Yeah, but oh, c'est un bâtard. Je l'ai sauvé de la rue. Bah, c'est bon, ça meurt comme n'importe quoi. Hein. Mais t'as vu contre un pitbull. Oh, mec. Tu penses qu'il pourrait battre un pitbull? Tu penses qu'il pourrait battre Soundwave? Yeah. Okay, you're gonna go. Alors bien. Tu pars. En fait, il veut juste le canapé, le mec. Il fait pipi. Oh putain, de quoi? Mais il est complètement fou. Mais vraiment. Allez, je vais lui pisser, je reviens. Enfin, en plus, il a un physique à moitié impressionnant. Il faut qu'il fasse gaffe parce que à un moment. C'est pas ça. Mec, bon, genre les courbatures, ça passe pour société. Mec, il est tellement aggravé quand il en parle. Allez, mais Dave va kiffer. Hein. Dave, je suis sûr, elle va dire. Oh, dis donc, c'est mignon. Le petit poisson. Jeanne. Le petit va arriver. Le petit poisson. C'est quoi, c'est le petit poisson. C'est Kadok. En fait, ça explique beaucoup de choses si c'était Kadok, le mec, en fait. Ok. Ça marche pas avec mes tortues. T'as un chien, ouais, ça tombe bien, moi j'ai un poisson. J'ai eu un chat, mais il s'il arrive à draguer. Mec, ça va marcher. Mais forcément, 24 poissons, c'est énorme. Comment ça, forcément? Oh putain, ça va marcher. Oh non, non, il est relou. Il est en train d'être relou. Oh, regarde, celle de gauche, putain. Celle de gauche, elle cligne jamais des yeux. Elle cligne pas des yeux. C'est un robot, je te dis, c'est un cyborg. Oh, le relou. Et tout à l'heure, il a dit quoi sur les passions? Qu'il fallait de pas. Dis-moi plus. Dis-moi. Ça va marcher. Oh, comment il se fait sa gueule. Ah non, là, par contre, ça devient grave. Mais pourquoi tu gâches tout, espèce d'abruti? Parle de tes poissons. Tu plaisantais, je vais niquer ta mère, hein. C'est très sérieux, les poissons. Oh putain. Si je t'encule devant l'aquarium, ça te plaît? Tu pourras tous les nommer, grosse pute. Quoi? Mais oui, forcément, ça marche. Mais évidemment, t'as fini comme un demeuré. Ouais, mais oui, mais attends, mais oui, mais bon. Mais ça marche pas dans la vraie vie, les mecs. Hein. Si, de ouf. Prenez 24 poissons tous. Ouais. Volez-les chez des vieux. Volez-les. Comment, attends. C'était quoi qu'il avait, Scal, là, qu'il arrêtait pas d'en parler? Des piscines, ça me vient. Non, des. Des pigus. Non, des quoi? Il a un truc dans le genre. Je sais plus. Tu peux dire ça, mais t'es gars, il a dit. Non. Mais comment ça, je plaisante? Mais non. Mais c'est super méchant pour plaisanter. Tu veux pas lui dire, tu fermes sa gueule et bon, non, parce que tu parles pas beaucoup, espèce de pute. Ah, je rigole, lol. Les guppies, oui, c'était les guppies. T'as bien un contact physique quand t'attends ses muscles. Quoi? Demande-le déjà. Demande-le où elle se voit dans 5 ans. Touche les périnées. En gros, c'est est-ce que tu veux choper les deux? Tu leur demandes de les faire dans 5 ans. Et sinon, là, tu fais vas-y, montre, vas-y. Gratte-leur leur muqueuse. Eh, demande-leur où ils sont dans 5 ans. Ça va en faire des joueurs dans mon lit. Moi, je me vois rien dans ton cul dans 5 ans encore. Il y a moi le canapé. Et je me vois en prison pour t'avoir violé. Just Jim? Do some jogging. Tac-lui les jambes, je t'en suis. Demande-lui de faire un putain de concours de pompe. Tu fais combien au soulevé de terre? On fait 100 mètres. Tu fais combien au soulevé de terre, Croustibat? Je te prends en 100 mètres. Oh, mais attends, Eh putain, Anya, elle cherche la tub. Il cherche tellement le contact physique. Oh, mec, arrête. Mais putain. Mais attends, tu vas chercher. Voilà. Voilà, gros silence. Je t'ai dit, mec, ça fonctionne. Mais bien sûr. Attends. Évidemment. Les meufs qui flexent tous les jours dans les bars, et t'attends un peu ça. C'est chaud l'Angleterre, non? C'est les meufs les plus superficielles du monde. Bah, pas particulièrement en plus. Non, je leur sais pas. Ces situations qui sont ridicules. Well,
C'est surtout ça. Ouais. Elle a menti, elle a dit qu'elle faisait du de la course, je sais pas quoi là. Ah, c'est l'autre qui course. Qui court. Oh, yeah. Qui course. Je fais aussi beaucoup de chasse à cour. J'ai éclaté 65 renards avant-hier. Et tu connais le sketch de Bigard, la chasse à la pute? Ne lâchez de salope, ça s'appelle. Mais t'étais pas loin, mec. Bah, t'as pas un boulot, t'es encore à l'école. Ah, mais elle fait les deux, je crois, non? Salope. Enfin, je veux dire. Ouais, bien sûr. La technique du champ de fraise. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Champ de fraise no jutsu. Omaewomo. Champ de fraise. Attends, mais je vais apprendre ça. Je vais apprendre le champ de fraise, moi. Attends, c'est le... Non, c'est le champ avec un P, déjà. Oui, c'est le... vraiment le champ de fraise. Il y a des champs par chez vous. Qu'est-ce que c'est? La technique du champ de mine. Oh là 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 là. Oh, ça va être chiant. Oh putain, ça va être long et chiant. I don't know, it's interesting. Yeah. Have you done this one called Strawberry Field? Psychology test? Espèce de malade mental. C'est vraiment... C'est vraiment le... Si t'imagines tout raconté par Anthony Hopkins pendant qu'il joue... Fermez les yeux déjà, ne faites pas ça. Ouais, fais jamais ça, pas en boîte de nuit, pas devant quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ma main que vous sentez entre vos cuisses. Attends. Il n'y a pas de fenêtre dans vos verres. There's a fence around it. How high is the fence? Just show me with your hands how high it is. Gros salut d'Asie. Oh, 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 celle de gauche. Hop. Oh, ouais, ouais, partez bien. Da 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 da. Na na na. You wanna eat some strawberries? How many strawberries do you eat? Na na na. 160. As many as I can. Okay. J'ai déjà mangé 2 tonnes un jour. Lots of strawberries. Okay. Strawberries. J'ai deux bagues super rues. J'ai chié pendant 2 semaines. Je me suis viré. Je viens plein de rues. Il est chelou, mec, ça arrête, c'est bizarre. Vous êtes dans un champ de mines. Okay. Vous mangez toutes les mines. De quelle taille sont les Vietnamiens qui vous menacent avec des AK-47? Very interesting. So, the first one, how high the fence is, that's your barrier to sex. Ouais. Yeah. Like ça va, ça va loin. C'est dommage, c'était presque intéressant au début. T'aimes pas Nikia, Nia? Bon, bah, dis donc. T'es pas là qui a la bite. Anyway, après, ça représente le nombre de boules que je vais mettre dans votre cul. Pour combien tu vas dans un bar à Nantes avec Lucienne qui te filme et tu utilises toutes les techniques qu'on voit en jeu? On va finir au flic. Ouais, ouais. 1500 balles pour payer la caution en fait. Bah, 5000. 5000, ouais. Ouais, voilà. Et encore, après, je vous montre le prix. Par contre, on retient dans ce petit truc, on met du GHB, on passe derrière et on fait. Voilà. Sur un mouchoir. Comme un MGS3. Non, directement. Dans le nez. T'as faim de sexe, oh là là. Bon, si ça, ça marche. Non, ça va marcher, mec. Ça ne marche pas. Ça va marcher. Hein. Non, mais ça peut dériver très rapidement, fais gaffe. Ra, 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 ra. Après, faut oublier que c'est des British. Et voilà. Et voilà, les British, c'est des déviants sexuels. Hein. Je le dis. Mais je sais pas si ça se passe en Angleterre ou si juste lui, il est British. Lui, il est British, en tout cas, c'est sûr, mais... Je crois que ça se passe au Angleterre. Oh là là. Si ça va très bien, tu te casses et tout. Un test psychologique t'as vu sur le net. T'es quel signe astrologique? Pas un gros signe de pute, ça. Non, non. Non, des fraises, du coup. Attends, elle travaille pas en ce moment, mais c'est imbitable leur truc, y'a un problème. Ouais, non, y a des problèmes de continuité. Hein. Lui d'engager son ami pour qu'elle fasse des vêtements, essaie de la mettre avec son ami Karim qui pourrait être son sugar daddy. Dix, c'est super. Oh non, c'est Karim. 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 Bien sûr, la sœur. Karim. Karim is the seductive answer. C'est si long pour juste une bite dans le cul, et c'est sûr que si t'as 1500 balles, t'es tranquille, hein. Karim. Attends, dis que c'est super qu'elle ne travaille pas et que tu es jaloux. Mais de quoi? Bah, jaloux du chômage. Bah, un petit peu comme Tuche. Comme Jeff Tuche, en fait. Oh, oh là là. J'ai un ami, il a une grosse bite, il est noir. T'es encore en vie, un peu. Oh là là.
Choppy's being nice. So, okay. Anyway, fais en sorte, mec, que là, il y a Big Ali qui rentre. Big Ali! Have you ever heard of the thing Sugar Daddy? Yeah. Okay, oh putain. Non, la blonde depuis tout à l'heure me fait un peu penser à Emilia Clarke. Oui, un petit peu. Hein. No, 3000 balles au mois pour moi. Franchement, j'y vais. Attends, t'as le numéro de Karim, t'as le numéro de Karim. Franchement, 3000 balles nettes par mois, je suis le numéro de Karim. Quoi, Dwayne? Papa 3000 balles. Papa sucré. C'est pas très poli. Bon, ça va, il a dit s'il te plaît. Mais c'est une offre d'emploi quand même. Oh là là. Attends, je vais baisser juste un petit peu le son du jeu encore. La A, elle est ok, je crois. Je crois. Ouais, la A, tu vas pas en taule peut-être. Oui, bah au moins, oui, là, tu vas pas en taule. C'est dommage qu'il y ait pas des fins où tu te prends un coup de fusil, où les flics arrivent, ou vraiment des. À l'investisseur, en fait. C'est pas crédible, parce qu'il y a plein de réponses, on n'oserait pas les mettre. À la replay, quoi. Ah non, quand même pas. Un coup de couteau. Un coup de couteau. Comme dans un atelier que des stand Nike. Yeah, I think so. On gâche ton ami. Non, mais laisse-les tranquilles, c'est leur business. Elle est inutile. Mais calme-toi, mec. Mais les vannes gratuites. Le mec, il arrive à balancer des fions comme ça et ça passe crème. Putain, mec. En fait, il les taquine pas. C'est vraiment, c'est des sleeper holes qu'il fait depuis le début, quoi. Elle comprend pas que tu te fous de ta gueule, de sa gueule. Attends, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est cruche. Non. Je suis pas drogue. Vous avez des habitudes de chelou, genre des stupéfiants, je ne suis pas flic. Ouais, je suis lesbienne. Comment ça, attends, l'alcool, ah, c'est pas une mauvaise habitude. Ouais, putain, ouais. Putain, ils vont enfin boire. Mais il y a ça, mon grand-père qui a une cirrhose. C'est de la flotte en plus. C'est de l'eau, par contre. L'autre, il boit de l'ice tea, là. Enfin, du pétrole. C'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Ouais, donc, demande à la fille qui est placée. Regarde à droite, regarde à droite. Demande lui si elle baisse après quelques verres. Demande laquelle des filles est la plus cochonne. La B ou la C, mec. La B ou la C, bien sûr. La C, c'est du knick-knack. La B, mec. La B. Parce que je peux vous offrir des verres. la C, elle est. Elle est salée un petit peu, la C. Hein. Non, mais la C, c'est du knick-knack. La B, elle est bien aussi. Elle est goûtue. La B, elle est bien, mais. Oh, la C, franchement. Blow it at US. Oh putain, allez, c'est parti. Je suis sûr que ça va passer. Ça va pas passer. Oh là là. Ça, il finit en prison, c'est fini. Oh, okay. Oh putain. Ça va absolument pas passer. Mais quoi, il est aussi vite. Pourquoi il passe de 0 à 100, le mec? C'est pas le cas, il dit. Mec, toi tu pratiques l'anal, mais toi tu fais le reste. Oh putain. C'est génial comme force d'accroche. Et Emilia Clarke à droite, elle bourrait la gueule et elle a ramené chez moi. La meuf à droite, elle a les sourcils teints, non? Ouais, non mais y a tout en fait qui va pas. Y a plein... Elle a l'air inutile, celle de gauche. Ouais. Non, ça veut dire oui, je crois. C'est... Elle fait vraiment partie des meubles, la meuf à gauche. On dirait l'extension du canapé. Oui, c'est ça, je la voyais même pas au début, moi. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un coudoir, il est moche. Tu te rappelles la différence entre une femme et un objet? Ouais, tu viens chez moi, il fait. Elle fait non, donc t'es une cochonne. Lesbienne, et voilà, bravo à toi. Bingo, bango, bango, I'm so happy in the jungle. I'm so ils sont vraiment lesbiennes. Putain, mais non. Ah non, espèce de con. If she breathes, she's a fart. Bon, bah, je me cherche un coca et un Ricard. Bon, du coup, la B de ouf, la B de ouf. La B, la B de ouf. City Base. Oh là là. Bon. Direction sur le canapé en velours, là. Ah non, la B, la cochonne. La la. Bien sûr, la B. B comme baise. B for bitches. C'est marrant, vous avez des idées assez concomitantes. Ok. T'as une tête honnête. Oh là là. What the fuck? 86 000. Oh putain. 5. Pas pour toi, 7. Eh, 8, mais c'est le dernier, je peux pas le tuer. 9, mais là tu m'égorges. Alors, il a baisé? Pas encore, il arrive pas, mec. Non, c'est fini là.
Le problème, c'est que dans ce contexte-là, il a l'air vraiment d'être un galérien, le mec, alors que je suis sûr qu'il soulève comme il veut, tu vois. Mais ça fait tellement galérien, quoi. Une pipe. Une petite pipe. Allez. Un petit bout. Touché. Le prépuce. Je peux te sentir. C'est juste chiant, vous êtes chiante. Touché le bout de la langue dans tes oreilles. Je peux goûter tes yeux. Je peux t'arracher un cheveu. Oh, le high five qui était pas du tout dedans, quoi. Not saying everything you think. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Par contre, pourquoi il me laisse choisir là, c'est complètement con. Bah écoute, si vous avez envie de revoir. D, non, bah, Ati, il dit D, il est bon lui. Rien que la A, je la trouve bizarre moi. Mais bah, oui, enfin. Oui. Attends, faut voir comment il va le dire surtout. Mais bah, voilà. Est-ce que t'es une fille gentille? Est-ce que t'as été sage cette année? J'ai jamais entendu comme ça dans mon oreille. Ah, mais elle a un accent, la meuf de gauche en fait. Elle a pas que les deux ont un petit accent. Elle a un piercing aussi. Oh shit. She is a good friend. Oh, d'accord, carrément, quoi. Et bah voilà. On dirait que c'est des tactiques de combat urbain. Ah, mais non, mais c'est ça, hein. C'est l'art de la guerre, ouais. Ça guérit héros du sexe. On appelle ça l'art de. Mec, c'est les tactiques avancées de Machiavel, quoi. Bah, je remember la maison. Ah. Oula, demande-lui pourquoi il te parle dans ce cas. Demande-lui s'il a un bison de l'épouser. Demande-lui s'il a satisfait. Dis-lui qu'il a de son nuit avec lui, tu peux coucher avec elle deux fois par semaine. Une fille ne se prend jamais trop de les gars. La E, c'est vraiment la baraque à piste. Putain, la vache. Dis-lui si tu peux coucher avec elle deux fois par semaine. Ah, les maïs du cul, quoi. Bien sûr. Elle se prend jamais trop de bites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche bien avec ton copain, mais on peut baiser aussi. Dose de la baise. Comme on le sait, une meuf ne se prend jamais trop de bites. Oh là là. Je suis philosophe. Encore. Il est pas brésilien. Oh mais non. Imagine, tu parles avec un mec. Tu parles avec un mec depuis une heure, ça se passe bien, et là d'un coup il dit ouais, j'ai envie de te baiser. Déjà il s'arrête pendant 20 secondes à chaque moment pour demander à ses potes ce qu'il doit dire. Mec, t'as vu ce qu'il a dit ou pas? Il a fait touche là, je l'appelle Barry. Mais bien sûr, mais oui, bien sûr. C'est la réponse la plus sensée des meufs pour l'instant, hein. Bah oui, bien sûr. Mais surtout le premier truc quand il monte sa bite et qu'elle parte pas, déjà je comprends pas, tu vois, il y a vraiment un problème, quoi. La D, ouais, lui offrir de baiser. Déjà tu lui donnes un choix. Non, déjà il dit pas baiser. Il dit pas baiser, il dit coucher. Ah, tu vas voir dans la conversation ce qu'il va dire. Couche avec moi. Il va dire direct. Second base, c'est dans le cul direct. T'sais, il va lui lâcher ce que je peux décaloter dans ton cul, quoi. Ce que je peux décaloter en public, ça te dérange pas? Ok. Oh. Ça va commencer à être chiant. Oh là là. Par la porte derrière. Tu laves les draps et c'est tout pour moi. Oh là là, ouais, bébé, ça. Quoi? Non, c'est une technique. Elle est trop gentille, elle est trop agréable. Ouais, non, c'est bon, tranquille. Putain, j'ai cru que ça allait marcher. Tu dis ça à une meuf en France, mec. T'as 60 de ses cousins qui vivent tous dans des caravanes. Tu sais que j'avais commencé à la noter dans mes phrases à dire. Ouais, j'y ai cru aussi, franchement, j'y ai cru aussi, ouais. Ouais, en vrai, c'est la B du coup, la B, ouais. Je sais pas. Il y a que la B qui peut. Mais après, la B, ça fait cuck un peu, non? Mais la B, c'est la plus tolérable. Oui, non, mais c'est tout ça, quoi. Les autres, ils se prennent une torgnole, quoi. Bah, bien sûr. Regarde la gueule qu'elle fait, la blonde. Bah oui, il y a ma vertèbre qui répond plus. Aidez-moi. Attends, ils ont demandé pourquoi, c'est con? Est-ce qu'il l'a satisfait? Ok, yeah. Look, most important, how are you in the bedroom? Mais attends, c'est la même réponse. C'est la même réponse, mec. Mais au final, c'est la même, il veut l'enculer. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Il travaille à quelle heure, t'habites où? Oui, c'est un peu la même, c'est un peu la même. C'est quoi son numéro de sécurité sociale? Ah non, tout à l'heure, c'était 14h30, là, c'est 14h30. Ouais, voilà. Là, il est plus pressé.
C'est la, donc c'est la même réponse quoi. Un peu d'action, un peu de piment, mais t'es gentil toi. Un peu de piment, c'est la vie. Tu sais, c'est tout lit. Mais. Oh putain. C'est une erreur. Ça, tu peux sample juste le truc là. C'était une erreur. C'était une erreur. On va encore se prendre un râteau. Mais la H, c'est quoi en fait? C'est... Demande-lui pourquoi elle te parle dans ce cas. C'est-à-dire, t'as un petit copain et pourquoi tu me parles alors? C'est un petit copain, tu vois? Ah. Mais bon, c'est éclaté parce que c'est lui qui est venu. Ouais, ouais. Donc... Pour une discussion. Pourquoi tu me fais, bon... tu me fais marier une grosse pute? Why are you talking to me then? Why not? I don't know, he's at home and you're like talking to some guy in a bar. Yeah, but I'm not the only one sitting here. Ouais, casse-toi, si t'as envie. Tiens, regarde, parle à ma copine, c'est une chienne. Ouais, mais je t'aimais bien, elle est gentille, mais bon. Parle à ma copine moche. Non, c'est évidemment, c'est pas le meilleur choix. Refuse que ça marche. Putain, on va quand même voir. Du coup, on va pas voir la bonne réponse. Mais ça passe. Pourquoi tu n'es avec l'autre fille? Vraiment, le mec, il a faim de ouf, quoi. Ouais, mais. Il a le plan A, il a le plan B derrière. Ouais, hein, c'est ça, ouais. Fou. Demande-lui si ça le dérangerait que vous parliez. Va-t'en, car elle a un petit ami. Demande-lui si elle pense que tu pourrais la le tabasser. Ah non, le tabasser, le tabasser, putain. Je veux la tabassade. Je veux la tabassade. Est-ce que tu crois que ah ouais, t'as un petit copain, mais est-ce que tu penses que pour moi je pourrais te tabasser aussi bien? Mais le fait que. Non, mais si je le bute, t'en as plus. Il est balèze ou moyen ou quoi? Content. Genre, mettons si j'étais avec deux potes. Et tu connais Noir Désir ou pas? Oh mec, c'est exactement ça! Ça a passé, ça a passé parce qu'elle a trouvé son rôle. Wakan! Wakan! Non, mais c'est Kenshiro! Mais non, c'est John Wick. Ah, c'est pour ça qu'il s'est habillé comme ça, mais. Coup de boule, coup de boule. Ça, ça va passer, ça va passer. Au moins, je l'aurais tué. Psychopathe. Je l'aurais tué, il est absolument pas dans mon coffre. Rabato. Ah ouais, non, il déconne, ouais, non, si, il rigole. Ah. Oh. C'est pas assez drôle. Mais elle a rigolé quand même. Bah non, justement, ouais, ça marchera parce que c'est probablement assez drôle. Bah pourquoi c'est... Je comprends pas alors, ouais, pourquoi ça a pas marché alors, je comprends. Nickel. Va-t'en, voilà, car elle a un petit ami. Run! Run! T'as un petit ami? Oui. Run. Il saute par-dessus. J'espère qu'il va sauter par-dessus le canapé, genre, s'enfuir dans le fond. La défaite, isn't a seductive answer. Ma merde. What's your boyfriend's name? Oh là là. Andrew, well, look. I respect Andrew, okay. And so I'm just not gonna talk to you. C'est super bizarre. C'est vraiment étrange comme conversation. I'm Andrews. You need to go. Okay. All right. Yeah. Anyway. Thanks. See ya. Ton coca, ton coca. Reprends ton verre. Ton Sky Coke. Mais c'est pas le sien, il l'a dit tout à l'heure. Eh, tu suis pas aussi. Putain. Est-ce que son costard, c'est pas le sien? Mec, t'as vu ce qu'il a dit? Attendre qu'elle soit célibataire. Mais t'as vu, le stalker. Tu lâches rien. Je suis sûr que cette chambre non plus, c'est pas la sienne. Genre, en fait, c'est parasite. Il a réussi à vivre par procuration, le mec. Attendez, choisissez votre truc, je vais chercher à boire aussi, je reviens. Bah, choisir, c'est-à-dire. Bah, je pense qu'on est à niveau choix, espèce de con, on va être assez limité. Ouais. Pourquoi il y a pas de choix? Il y a pas de choix. Ouais, moi j'aurais dit B, mais. Non, mais moi déjà, je leur parle pas. Parce qu'ils ont pris du vin. La boive de la flotte dans des verres à bulles. Il y a Arsène qui a dit ce prédateur Maxi Adar, ça me fait rire. Ah, c'est un Apex Predator, mec. Your dude, so would he mind us talking? No. Like if he was watching us right now, and we were like, he would be okay. Yeah. T'es vraiment bizarre, mec. Il est vraiment étrange. C'est un peu pété du cul parce que t'as des réponses des fois, elles sont neutres, mais c'est juste sa façon d'interpréter qui est. Bah oui, c'est du cul, ça. Mais je pense, enfin, quand on dit que c'est éducatif, faut le prendre large. Bah, oh. Ouais, mais non, mais du coup, non. Tu lui retires son indépendance. Celle de gauche est morte, quand même. Oui, je pense que oui, elle est empaillée, hein, celle de gauche. Est-ce que t'as vu qu'il parlait de retirer son indépendance quand même? Non, il dit justement, en fait, ça marchera parce que tu penses que tu l'as retiré son indépendance et du coup, elle se posait des questions, elle va faire putain, mais on fiche, nickel.
Non, ça s'appelle de la manipulation. Et c'est de savoir quels sont leurs projets d'avenir s'ils veulent vivre ensemble. Demande-leur S'ils sont déjà embrassés, essaie de les pousser à le faire. Attends. Voilà, c'est bon, je clique. C'est bon. God is here. Est-ce qu'il va faire comme les plus magiques? Allez. Genre, est-ce qu'il va mettre les deux mains derrière la tête et faire bisous? Pendant que tu la touches, commence à tout. Allez? Si! Allez! Quoi, tu l'aimes pas ta copine? Ah bah bravo, l'amitié, hein! Mais mets ta langue dans ses lèvres! Vous avez l'air d'être très déçu! De loin, comme ça, j'ai l'impression que. Non, des femmes et tout ça. Mais ça va pas marcher, ça. Non. Ah bah quand même. Non, ça va marcher. Ce soir, c'est ton soir. Eh, c'est celle de gauche, quand même, elle est un peu dégoûtée, je trouve. Peut-être. Regarde à gauche, regarde à gauche, attends. Regarde la meuf de gauche. Genre, elle est... Bah, non, un peu. Bah, non, bon, tant pis. T'es sûr? T'es sûr de... C'est pas bien. Bien sûr que c'est glauque, Vince. C'est horrible, même. Mais oui. T'es des filles sympas. Moi, j'aime bien. Ah, je rigolais, en fait. Grosse pute. C'est très chiant. Est-ce que t'as une réponse où elle sort un taser et te limite les gueules? Vous êtes des filles très sympas, mais vous êtes vraiment très chiantes. Oh, j'adore. Je pense qu'un jour, je vais dire ça. T'es une fille très sympa, mais t'es très chiante. Ah, t'es aussi gentil que tu me casses les couilles. T'es aussi gentil beaucoup qu'élégante, toi. Oh la vache. Vache. Bah attends, je vais cliquer tout seul, du coup. Hein. Oui. Dans les choix comme ça, je peux le faire tout seul. Hein. Pas de plan, mais écoute, j'ai un appart. Un appart, ah, mais si. C'est encore plus flippant quand il dit t'as pas besoin de te lever. Genre, il a vraiment retenu ce qu'elle faisait dans la vie et tout. Bah, parce que ça tombe bien, parce que moi je suis SDF en fait. Et que j'ai froid la nuit. J'aimerais bien grimper dans un utérus pour être chaud. Ça va, je pourrais rentrer avec mon pote Karim. Karim, il trouvait de la chèque. C'est ton papa sucré. Mais, t'as vu ce qu'il a dit? Essaye de récolter des infos logistiques, mais c'est pas vitable. Mais vraiment. Thank you Sam pour le bridges. Mais c'est le mec, il essaie de construire sa motorbase là, il a besoin de gens pour son côté recherche développement. You gonna take him? La B, regarde mec, regarde la B. Dis à la fille que tu voudrais vraiment sortir avec elle et inclus son ami. Ouais. Propose de faire une sortie. Non, tu voudrais vraiment sortir avec elle et inclure son ami, c'est-à-dire on va tous les trois dans un bar, un truc comme ça. Je pense. Nul. Je pense que c'est ça. Oui, c'est de ça. Ouais. You're gonna take him. Well, listen, we should definitely. Watch out, boss. That's an enemy chopper. Mais quand il parle à la pote, on dirait qu'il parle à vraiment un animal attardé. Oui, c'est ça, un autiste ou un gamin, tu vois. Quoi? Sur le channel général, ils ont commencé à prendre des screens de les blondes et tout, c'est des gros cons. Est-ce que t'as vu qu'il parlait, tu penses que je vais la tuer, etc. Est-ce que t'as vu quand même? Non, merde. Il a dit, est-ce que tu penses que ça serait bien si on sortait ensemble un soir et tout, tu penses que je vais la tuer, tu penses que je vais la kidnapper et demander une rançon? Mais mec, gros dame. Oui, mais ça marche pas ça, Spider. Eh ben si, mec, justement, t'as pas été à Londres. Tu penses vraiment que je vais la tuer et récupérer ses ovaires pour me faire des boucles d'oreilles? N'importe quoi. J'ai des oreilles. Ok, c'est bon, ouais, c'est fini les gars. Elles sont encore en vie. C'est la seule phrase logique de la soirée. Passez une bonne soirée, les filles. Il a l'air gentil, elle a dit. Non, mais bien sûr. Mais au final, tu tapes pas la meuf qui mange. C'est quoi du coup? On est des Casanova. 71% de choix correct. Je sais pas, y a pas d'autre choix à faire de toute façon. Là, c'est. Non. Ouais, c'est pour aujourd'hui qu'on va ken, mais. Bon, prochain niveau du coup. Ouais. Allez, prochain niveau, c'est parti. Mais ouf. Là on s'entraîne pour Katawa. Attends, il y a un peu de musique là. Yeah. J'ai pas la musique moi. Un. Bah mais là. C'est quoi? Ah c'est donc ça. Il est dans un strip bar? Ah non, c'est toujours un club. Ouais. Ah, c'est toujours un club en fait. C'est un Roomba. Maintenant il va parler à Natacha. Non, c'est pas un club, c'est son salon. Il a juste mis un petit peu de lumière. Et maintenant, Monica. Partout. Oh là, les cinématiques, mec. Ah là, c'est Hugo. John Wick 3. on dirait les comment dire. Regarde-moi. Entame la conversation, on mange ce que tu veux. Attends, t'as mis un contact non-verbal, donne-lui un coup de hanche, approche-toi en direct, D. Tu sais que la C, j'ai lu, donne-lui un coup de hache, moi. Qui se prend
attends, attends, bouge pas, je fais juste un truc. De H, on dirait un peu Shining. Bah oui, c'est ça, mais... Voilà, c'est bon. La D, bien sûr, la D. Il est horrible. Bien entendu, la D. Genre, je veux voir ça, je suis prêt à voir ça. Ça, va, être, ça va être magnifique, en plus. Là, 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 là. Oh, comment il danse. Oh, lourd. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est déhanché. Oh, yes. Bah, ça marche pas. Bon bah je rentre chez moi. Oh putain. C'est un coup de mon pote Alex. What? Chier. Tiens, la C, la C. Un coup de hanche. Attire, attire son attention. Parce que entame la conversation en demandant ce que tu devrais offrir à ta petite sœur en dansant et sous la musique. Eh salut. T'as une petite sœur. Attention, à coup sûr, il va trop vénère, tu sais. Oui, c'est ça, vraiment, un spire, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'espère qu'il va la dégager, mec. Bourri, 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 bourri. Bap. Mais non. Oh, oh, beau gosse. Un autre, un autre. Un autre plus fort. Putain, mais... Oh, yes. Oh, putain, mais mec. C'est pas l'option la plus sûre, mais ça peut marcher. On dirait qu'il commente un match de Street Fighter Third Strike. Ah, comment il danse, comment t'imagine, il danse. T'imagines le nombre de scènes qu'ils ont dû faire comme ça. Il a jamais la dansé meuf, de sa vie. La meuf à gauche, et c'est Anya à gauche en plus. Non. Attends. Elle sait pas où elle est. À gauche, regarde, elle est morte de rire. Présente-toi rapidement et continue à danser. Demande-lui si elle veut boire quelque chose. Non, c'est un concours de danse. Demande-lui avec qui il est venu. C'est ouais, là c'est. Là c'est, faut un V1. Faut la un C, V1, bien direct, sûr. Direct. Fais poser les couilles. Default dance, floss devant tout le monde, mec. Comme dans Podium. Non, comment il s'appelait le truc avec les danseurs où il y avait Franck Dubosc? Ah, oh. Magic Mike. Oh, comment il s'appelle? Disco. Disco, je l'ai même pas vu celui-là. Oh, mec. Oh. Elle est en train de se dire, ok, il est clairement autiste, quoi. Cet homme a un problème mental, vas-y. D'accord, mon cher Moogle. Il devait... il devait danser... Pas mal, mais t'es une merde. Allez. Non, il aurait dû se barrer, il aurait dû se barrer pour boire. Genre, ah, j'ai gagné, allez, casse-toi. Oh, putain. If you chose something else. In this case, if you can pull it off, it can work really well, but... Oh là 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 là. Ouais, enfin, si ça marche, c'est-à-dire que t'as un 10 sur 10 et tu danses comme un crack. Ouais, c'est ça que tu fais du putain de breakdance au milieu de tout le monde, mec. Et le moonwalk. Et le temps en moonwalk, mais bien sûr, le B. Non, mais là, c'est... Demande ce qu'elle aime faire durant son temps libre. Il va proposer la sodomie à coup sûr. Mec, mais le moonwalk, carré, ça va. J'espère d'une part qu'il le fait super bien ou alors super mal, en fait. Genre, vraiment, pas d'entre deux, vraiment pas d'entre deux. Dans tous les cas, je serais super content. La blonde va se foutre de sa gueule. La tu crois? Déjà, à gauche, là, elle est déjà en train de se marrer, là, donc... Mais elle fixe la caméra depuis tout à l'heure. Mais oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? En plus, il se barre. Mais c'est con, parce qu'il se barre. Oh, l'horreur. Il a reculé. Bah voilà, il est plus là. Mais quoi, mais j'aime bien Moonwalk. Oh mec. Bah du coup c'est la A, c'est la oh, A, la loser. Oui bah c'est la A, tu vas pas quand même lui faire la conversation pour qu'elle danse, quoi. Oui tu danses. Bah non, bah y a de la musique, ça sert à rien. Non, tu lui demandes pas ce qu'elle aime faire au centre libre, mais ouais, tu danses, wesh. T'as déjà entendu parler de la bande de Gaza? On sait bien qu'elle est baisée, mais... Le mime du mec qui parle à la meuf en oui. Club. Oui, t'es au fait de... T'en penses tu fais quoi tout ce soir? T'en penses quoi de Platinum Games racheté par Tencent? Voilà. Maintenant tu chopes Dragon Ball FighterZ. Ouais. Tu chopes la nuque. Tu lui fais un backbreaker. Oh là là là, bah bien sûr. J'ai fait top. Une fois j'ai fait top 64 au Stunfest. Il m'écoute là. Propose d'aller chercher à boire, demande-lui si elle veut s'asseoir car danser avec les talents ça doit être fatigant, essaie de l'embrasser. C'est. Oh, là, c'est... Oh, elle va kiffer. En fait, elle va se dire waouh, il est spontané, il est, tu vois. C'est limite ça, le jeu va être très long si on fait toutes les mauvaises ouais, réponses. Voilà, limite je me prends au jeu là, j'ai juste envie que ça réussisse. Non, mais moi je veux le voir essayer de lui foutre la langue dans la gorge direct. Ok, le liqueur. Oh, bah ouais, de ouf. Le mec il se rapproche. C'est que ton mec sur Smash. Oh là là. Oh, oh putain. Il est en train de se marrer après. T'as sauté quelques étapes, tu crois? Non, dis-moi, je la jure. Cherchez à boire avec un petit cacheton.
Oh, tiens, yes. Donc, quoi, étonnant ça. Bah, du coup, oui, faut aller proposer à boire. Demande-lui s'il veut s'asseoir, en plus, c'est un peu éclaté. Non, mais c'est à... Ouais, c'est à boire quoi. C'est... Parce que tu vas pas commencer à t'asseoir. Par contre, mec, la meuf à gauche, elle me fait stresser. Ouais, c'est bâtard parce qu'ils ont pris le freeze frame sur elle qui regarde la caméra et qui sourit quoi. Je crois qu'après avoir regardé ça, on a 7 jours et on va claquer après en fait. Oh, ah, merde. Mais, oh yes. Enfin, ça fait combien de dodo ça? 10, 7, connard. Maintenant 6. Oh! La meuf avec son téléphone à gauche, elle se fait chier de ouf. You're always waiting for the time on the dance floor to get off of there because you know there's only so much you can do in that noisy busy place. Mais tu peux toujours faire un backbreaker, ça tient toujours, mec. Hein. Tu peux toujours faire un moonwalk. Oui, ça dans n'importe quel endroit d'ailleurs, tu peux le faire. Ouais, fais un moonwalk autour d'elle. Oh, j'ai mis un peu de rouge dans son bleu. Je peux mettre du rouge dans mon bleu. Non, j'aime beaucoup. Ça, qu'est-ce que tu fais dans une boîte encore sombre? Oh, Michel Fourniret. Et t'aimes les combats de gladiateurs? Moi j'en ai des combats de chiens. T'as remarqué sur la pluie? Et puis c'est qu'une rage. T'aimes pas fumer? Dis-lui que c'est une mauvaise habitude et qu'elle devrait arrêter. Dis-lui que c'est pas un problème même si tu fumes pas. Dis-lui que tu aimes pas fumer et qu'elle est libre de faire ses choix. Dis-lui que tu préfères les drogues dures. Mais bien sûr, bah, la D, forcément, la D. Bah oui! Non, le LSD! Évidemment, la D! Alors, moi j'aime bien les chatons et les fist fucking! C'est pas une drogue, c'est pas une drogue dure le LSD, si? Bah. Non, ça va. Il me semblait c'est que c'était. Il me semblait que c'était un psychotrope léger, un truc comme ça, je sais pas quoi. Comparé à l'héros, franchement, ça va. Ouais, voilà, c'est ça, ouais! Faut toujours comparer à l'héros, en fait! Oh mec! Sors-en, direct sur la poche, mec. Sur la table, je veux dire. Mais pas un peu de... Même pas... Mec, déjà sortir bébé à une meuf que t'as rencontrée il y a 3 secondes... Ah, il a dansé avec, quand même, hein. Il a fait moulou. T'enchaînes avec un peu d'extra. Il y en a qui font ça pour de vrai, en fait, c'est ça le truc. Mais bien sûr. Des champignons. Personne n'appelle ça des champignons magiques. À part Gagamel. Oh là là, réserve ces 3 jours. Oh la vache. Elle va même pas finir son verre. Regarde la tête, il a l'air beaucoup trop passionné en fait. Je pense que ça c'était la réponse de lui de base que lui a proposé. Et en fait, son impresario il a dit non, mais mec. Mais t'es un malade mental. Oh mec, oh c'est trop long, c'est tellement long, c'est tellement long, le forceur. Elle, en fait, ça me fait peur parce qu'elle, elle joue plutôt bien. Ouais, elle a l'air gentille en fait. Mais je surtout qu'elle est patiente. Hein. Oui, je pense que c'est pas une actrice. Oh, ra. Les gagnants ne se rendent pas. En dehors des champions! Oh, bravo, mec! Oh, le tacle gratuit! Bravo, mec! Il est génial, ce mec! Oh, oh quel beau gosse! C'est la bonne réponse, quoi! Quel beau gosse! Bon, c'est bon, on a compris! Oui, mais la blague, elle est bien, mais tranquille, mec! J'adore ce mec! Bon, ce serait quoi alors, du coup? Ce sera la B, quoi! Ouais, la B! En même temps, qu'est-ce que ça peut lui foutre que c'est pas un problème pour toi? Ou la C, ouais! Non mais même, elle s'en fout de ton avis, non, je sais pas. Bah, je pense, ouais. Non mais justement, tu t'engages la discussion, quoi. Ah, moi, ça me casserait les couilles, hein. Moi aussi. Ouais, oh, je suis un peu... T'es pas une meuf blonde, gros, t'es pas une santé, mec. Oh là là. C'était la réponse B, ça. Ouais. Le roté à la gueule. Non, c'est bon, pour déconner. Eh B. Ah, elle a souri. L'autre à la droite a fait. Il venait de faire une vanne avant. Hein. Ça fait combien de temps que je suis à l'autre? L'autre à droite, elle est en train de mater son plus beau live sur Twitch. Elle est en train de regarder le SL. Le live. Bordélique. Mais elle se rend compte que là, du coup, c'est un speed dating ou pas en fait? Je peux foutre le bordel dans ta chaîne, s'il te plaît. Je peux tout te déranger là-dedans. Il y aurait étranger les OR. Faire un nœud avec ses trompes de Fallop. La Fallop. C'est un Fallop. Oh là là. Mais pas, j'ai pas lu la cadavre. Attends, il a parlé de nécrophilie. Mec, non mais attends. Mais j'ai
j'ai rien choisi là. C'est sa discussion normale, hein. Le mec il sort. Si sort... parle de nécrophilie, ça permet de gagner. C'est ça, voilà. Réponds à la question. Dis que tu n'en as pas. Dis que tu aimes bien se faire souffrir les gens. C'est. Attends. C'est moi, habituellement, je parle de dinosaures et ça passe pas. C'est bon. Non, mais c'est bon, c'est bon. Le thème faire souffrir les gens, de quoi? Regarde-le. I like BDSM. Après, peut-être qu'elle va aimer. Hein. Ah, non, elle aime pas. On dirait Jack Terrence, tu sais, de The Shining. Il a fallu une seconde, Edwin. J'aime bien persécuter. Je sais reconnaître les émotions. Oh, la pauvre, elle a des frissons. Le mec qui se prend pour Batman, quoi. J'aime bien faire souffrir les gens, mais si c'est des mauvaises personnes. Faut que je grenier, tu sais. J'ai des projets en cours avec certaines personnes, mec. Notamment avec Bachar al-Assad. Et Saddam Hussein. T'as vu ce qu'il a dit? T'es sûr de vouloir faire ça, faire de moi ton ennemi? Il va avoir des problèmes. Oh mec, c'est Red Hood. Ok, dis d'un blog à Bogota. Oh mec, Scarface. La violence n'a pas sa place et c'est un comportement de lâche. Je vais te péter la gueule, tu vas voir si je suis lâche. Tu vas me kiffer. Réponds à connecté et dis que tu n'en as pas. Oui, connecté, bien sûr. Tu bah dis. Oui, toujours être honnête. Ah oui, ouais, bah bien sûr. Ouais, je suis un petit peu trop. Je suis. T'es un petit peu trop. Comment t'appelles ça? Con. Ah. Je sais que Mercure sur la main. Tu connais trop de vocabulaire. Ouais. Mon manque de vocabulaire, il est un peu chaud, sa grande daronne. Bah, il est flagrant là, mais. It depends what you think. So I don't know. Like sometimes I might smoke weed. Smoke weed every day. J'aime bien me pendre par les couilles. Tu connais? Ah bah non, oui, du coup. Tu connais l'histoire de David Carradine? Mais là, il répond oui. T'as déjà vu Kill Bill? T'as vu quand Letterman a fait bouger ses orteils? Je kiffe. Mais t'en penses quoi de Jurassic Park? Et bah voilà! Excellent, il a dit, les gars, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dès ce soir, meuf, on peut sortir, on va tout ken. Mais la meuf derrière, elle fout quoi en fait? Mais elle fout rien! Mais elles sont là juste pour dire que t'as une bonne réponse. Mais qu'est-ce que vous avez avec les habitudes, putain? Oh, les 1000 pompes, 1000 abdos, 1000 kilomètres tous les jours. T'aimes bien ton chien et t'en penses quoi du miel? Et des combats de chiens. Le Kilimanjaro, c'est trop froid. Mais c'est dans le sud, il fait chaud dans le sud. Bah le Kilimanjaro, surtout, ouais, c'est en Afrique, donc ça va. Y a pire. Oh putain, no. Conversation relou, quoi. C'est laquelle des deux sur le lit, la transe? C'est l'escalade récemment. Joue au squash, mec, c'est smash. C'est une espèce d'arc narratif en fait avec des embranchements. C'est un film de David Fincher en fait. Oh merde. Tu vas à la salle de sport vraiment? Dis-lui qu'elle a pas non plus l'air d'aller à la salle de sport. Dis-lui que tu vois pas de quoi elle parle et que tu vas tout le temps à la salle de sport. Dis que t'attires déjà trop l'attention comme ça avec des abdos, ce serait trop. Demande-lui ce que tu veux faire pour paraître plus viril. Oh. Mais en fait, là, il y a aucune réponse ultra trash. Non, il y en a aucune qui est vraiment vénère. Mais la A, elle tabasse un petit peu. Ouais, la A, par contre, c'est clairement juste un coup de boule en réponse, quoi, en fait. Au pire, va directement rayer sa caisse. Ok, du coup, je sais pas ce que... Ouais, c'est sur C. Vers le D, ouais. Non, le c'est... La C, elle sera bien, parce que... La D. Ah, non, c'est... une égalité. Faut qu'ils disent qu'ils déconnent par contre, parce que dis que tu rigoles. Bah oui. Dis que tu rigoles. Dis que tu rigoles. Voilà, c'est bon, c'est pas ça. Attends, non, elle rigole, mais dis que tu rigoles. Il dit pas qu'il rigole, hein. Dis que tu rigoles. C'est un peu long pour ce drôle. Il dit pas qu'il s'agit d'une très très longue blague, sinon. Il rigole pas, non il rigole pas, voilà. Il rigolait pas. Pour le bien des femmes. Il était complètement sérieux dans cette phrase. Je me sculpte, tu vois, mais c'est pas pour moi. C'est... Je me sculpte. Et t'en fais beaucoup de pompes. Et toi tu pompes? Non. Tu fais un abonnement? Quoi? Ouais, voilà. Quoi? Voilà. Mais non, je refuse! Je demande la barre! La pièce de théâtre?
Putain. Je me casse. Un truc en rapport. Tu veux pas faire de la flûte sur ma table? Tu veux de la flûte à viande? C'est scandaleux. La flûte à viande. Ça se voyait pas tout à l'heure. D'abord avec Ronaldo. Connard. Danse, ballet, jazz. Et tu sèches le tub. Elle va passer le ballet du coup. Moi. Attends, elle a dit hip-hop, il a dit Justin Timberlake. Oui, oui, et après il a fait un peu de scat. Ok, ouais. Scapalabribé. Dit qu'il est évident qu'elle enseigne les stripteaseuses, certains de ce point et complémente là, pose plus de questions pour en apprendre davantage. La vraie réponse, c'est la B. Bien sûr. Mais, oui, la A. Mais la A, bien entendu, la A. Mais la C, c'est pareil, on dirait qu'il fait. Enfin, qui cherche des infos contre un groupe ennemi, quoi. Ça, enfin, je pense que c'est un flic, en fait. Je pense que c'est un flic infiltré. T'en penses quoi de la coke? T'en penses quoi de la prise de stupéfiants illégaux? Tu consommes de la marijuana? Wait a minute, so Attends. Ça va être ça peut marcher. Ça peut marcher. Ouf. Voilà. Ouais, non. Attends. Au pire. Non, elle aime pas. Non, elle aime pas en fait. Ouais, pas du tout. Business, c'est business. Oh là là, il commence à devenir agressif. Il commence à devenir agressif. Axe kick, Huracan. Attends, j'ai réussi à faire ça. Oh putain. Ah, une école d'art et de danse, bien. Sinon, t'étais où ce samedi soir? Ah, c'est ton père qui m'a embauché. T'es la fille la plus grossière que j'ai rencontré. Clairement, il strip-tease. Oh, j'adore ce mec. Oh la vache. Je vais continuer à boire mon Diablo. Tu me rends mon Diabolo. J'espère qu'il va revenir. Au moins t'en as deux maintenant. Qu'il va revenir en frame et dire tu me rends mon Diabolo tout y fruitise. Il n'a rien qui fait. Le Bolton, c'est une vraie pratique sportive, madame. Respectez les travaux du sexe. Allez la B, c'est la B les gars, allez la B là. Strip-tease, c'est pas du cul, Yannard. Bah un peu. Non, moi c'est quoi? Elle montre un petit peu un bout de la fesse. Mais y a pas de. C'est pas le la la direct, tu vois. Y a pas pénétration, voilà. Y a pas coup franc. Y a pas insémination. Voilà, faut la complimenter, on est gentil. On dit des choses gentilles. On est gentil. Ça en plus c'est sympa, il lui dit pas, oh, en plus c'est pour ça t'as un beau cul, non il lui dit ouais c'est l'entrepreneuriat, il y a les ouvertures, des portes ouvertes, de la dilatation, des ports à lavement, des chocs à pique-pique, des coups de pops. Tu peux faire un grand écart sur le sol et laisser une marque. Et t'as le nez, tu le mets avant ou après? Et ta bouteille de jus d'orange, tu l'ouvres comment? Ah, c'est trop mignon les petites filles. Ouais, par contre, on a pas trop envie de l'écouter encore, ça va. Tu sais que là, depuis quelques minutes, j'arrête de lire. Hein. Okay. Tu regardes juste tes chamblards? Non. La meuf à gauche, elle s'emmerde. Tu peux avoir des Doritos? Faudrait qu'il la montre avec un petit peu de douche qui pique. À gauche, elle dit putain, j'aurais dû faire des études. J'aurais dû continuer. Mec, à gauche, faut lui amener une suite. Non, mais on a rien dit. Fais semblant de lire et dit qu'il est écrit qu'elle aime coucher avec plusieurs fois. Dis que t'aime pas. Je lis la première, j'ai une grosse pute. Fais semblant de lire et dit qu'il est écrit qu'elle aime coucher avec plusieurs hommes à la fois. Genre, c'est du chinois ça, ouais. Je me dis, ouais, mais ouais, c'est moche. La C, elle est bien, mec. Voilà, j'adore la C. Dis que t'aimes pas. Ouais, ton tatouage? Ouais, tu l'aimes. J'ai bien fait d'appeler Chuck. Je peux te le corriger vite fait. C'est l'effet bébé, quoi. Il faut le dire quand ton bébé est moche. Enfin, c'est trop I like to get fucked by a bunch of guys in all of my. Elle a pas d'humour. Oh là. Oh, si on peut plus déconner. Elle était marrante. Ouais, en fait, c'est écrit. J'aime bien sucer les tables. What about just me?
Et juste avec moi. Bah non. Je peux te faire des touches de mon nom, oh la vache. After we do the thing we're gonna do, you're gonna tattoo my name. Ok, je le répète, c'est pour ça que toutes les femmes devraient avoir un Glock 17 sur elles. En permanence. Au moins, au moins, pouvoir. Ouais, une bombe, non pas une bombe au poivre, une IED, un truc avec du C4, quelque chose, tu vois. Je pense que toutes les femmes devraient avoir un Jérôme Le Banner. Oui, oui, voilà, avec un chien aussi. Jérôme Le Banner qui saute dessus avec le coude en avant. Vas-y, ah ouais, t'aimes bien te faire pomper à plusieurs mecs. Non monsieur. Tu fais bien Jérôme. C'était pas, oh, c'était très impoli, pardon. Pardon Usul. Dis que t'aimes pas trop, vas-y, laissez. Attends, je vais cliquer, je vais voir moi, je vais voir ce que ça fait. Sur toi ça va, j'ai pas de tatouage, mais... Pas trop mon truc. Non, ça va, il est honnête en fait. Bon bah ouais, de quoi. Je l'aime pas beaucoup. Poche de prison, mais calme-toi, Michael Scofield. Oh, mais attends, il est dans ta grand-mère. Il est dans ta grand-mère. Ça y est, il commence, c'est dans l'engrenage. Ça y est, il va péter un plomb. Dans 5 minutes, il fait une sandwich bouquin. Eh, ça marche. Ça marche. Ma maman elle a dit qu'il fallait traiter les femmes avec respect, je comprends pas. Non. Ma maman elle m'aurait menti. Je comprends pas mec. Souviens-toi d'un truc, tous des putes sauf focus. Oh putain. Tu vas jamais baiser en disant que t'étais youtubeur mec hein. Non, non, jamais. Arrête mec. Oula, il y a un choix. Un choix sur les vidéos. S'il y a un choix sur les vidéos, ça va être drôle. Ah, c'est un vrai coach en fait. Oh non, c'est un vrai vrai coach, j'ai l'impression, non? Tu vois la pub de Coca-Cola? Et puis tu connais NordVPN. D'ailleurs, avant de te draguer, je dois dire que je suis sponsorisé par Red Shadow Legend. Non, j'ai eu beaucoup de copines. Dis qu'Etat démasqué et que t'es super gay en la touchant. Donc, tu es homophobe, c'est pas cool. Non, je suis hétéro. Demande-lui ce que tu dois changer dans ton apparence pour avoir l'air moins gay. Réagis avec colère pour lui montrer que c'est pas cool et que tu es offusqué. La E. On va le voir s'énerver. Putain, mais tu l'emmerdes. D'où regarde la gueule qu'elle fait. Elle s'en veut déjà, mais tu vas voir. Avec un jab dans la nuque, tu vas voir s'il y a pas. Ça va plus sortir grand chose. La BD. Elle en. Non. Oh là là, oh là là. Pendant la glotte, dire comme ça là. Non mais c'est coup de coude. Merci Red Shadow Legends qui sponsorise ce truc. Et voilà. C'est quoi pour tout ça ou quoi? Il vient de dire what the fuck is wrong with you. Toi aussi t'as l'air pédé madame. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a avec les lesbiennes aussi, calme-toi mec. Oh, mais tu t'avais plein de portes de sortie, trous de cul. C'est con, tu sais, il y avait moyen de manœuvrer, mais là... Va te taquer tout de suite. Oh vache. Mais mec. Pourquoi les gonzesses? Pourquoi les gonzesses cette fois-ci là, ouais? Mais est-ce qu'on a il est pété votre jeu, les gars? Ouais, il y a clairement des problèmes du coup. Non, je pense qu'elles sont oubliées parce qu'elles sont déçues. Oui, non, c'est bon, on a pas réussi, c'est bon, ok. Du coup, la B, elle est marrante, non? La B, les gars. Elles font la gueule, ouais, mais elles font tout le temps la gueule, de toute façon. Elle fait un AVC, regarde sa tête, elle fait un AVC. Je sens plus mon bras gauche, j'ai un problème. Tu peux avoir plus droite que vous, je suis encore genre. Tu peux appeler une bandulance. Une quoi? Tu veux plus une bandulance. Une bandulance. La tête de Pédic. Oh là là, le mec, ça va mener où? Ça va mener où? Ça va passer. Je suis sûr que ça va passer. Mais non, mais ça va mener où? 100%. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Il y a 60 épisodes de sitcom où un mec il prétend. Let's go! Oh putain! Tu sais ce qu'il reste à faire, Spider, espèce de pédé, hein? Gros pété. Oublie que t'as aucun espoir et que tu suces des bites. Mais mec! Comment est-ce que tu pendais? Grand dame! Oh putain!
Je ne peux pas y croire. Maintenant, il va faire quoi? The truth was, the game was rigged from the start. Bah, tu vois, je suis homosexuel, mais après, ça dépend de l'humidité. Je trouve qu'il pleut aujourd'hui. Je pense que la femme et l'avenir de l'homme est un des plus gros monuments de l'histoire. Après, s'il y a moyen de niquer. On s'en branle. C'est quand qu'on baise. Oh, quoi? Ah, c'est un conseil, on va faire progresser. Bah maintenant t'as dit que t'étais pédé, tu veux faire quoi? Passe ta main dans ses cheveux et dis-lui qu'elle a joué les oreilles, regarde sa bouche quand elle parle, dis-lui qu'elle l'excite vraiment et que tu veux l'embrasser, mets-lui la main au fesses. Les quatre réponses, c'est des mauvaises réponses. A plus B plus C plus D. Il y a des réponses pires que les autres, genre la main au cul. Passe ta main dans ses cheveux en lui mettant la main au cul, en regardant sa bouche et en disant que tu l'as, qu'elle te fait bander, franchement. Et en lui disant dans l'oreille, je suis pédé. Le fiac, le crochet. Mets-lui la main dedans. Oh là là, si ça marche celle-là, Spider. Parce que je dis Spider parce que t'es fou donc. Attends. Wow, la vache. Oh la vache. Yeah. Et c'est là que tu lui dis ça te fait bander. C'est Jérôme. C'est Jérôme le banner. T'as des belles oreilles. Pauvre con. T'arrêtes. Trouduc. Oh mec! Oh là, eh mais total respect. Cette meuf, franchement cette meuf. Dans un bar, parce qu'en dehors tu peux. Oui en dehors tu peux, y a pas de problème. Le mec à chaque fois il fait des discours à la Edouard Baird. Je crois pas qu'il y ait de bol dans les situations. La B elle est mignonne. Non, j'aime pas la B moi. Mais les autres sont pires. Pas mignonne. Les jolies oreilles c'est chelou en fait. Ouais, oui, c'est mais on voit pas ses oreilles, on voit pas ses oreilles. Oui, en plus, ouais. La C, elle est dégueu, par contre. Si t'as des jolies oreilles, c'est marrant parce que j'en ai pas. Ah, oui, exact. En fait, j'ai deux trous à la place des oreilles. Chelou, mec. J'ai des ouïes. J'ai des ouïes, je vais super vite sous l'eau. Oh. Quoi, une réponse pour le C quand même. C'est pas ça qu'on a dit. Voilà. Il va péter un plomb. C'est parti. Ah, c'est. Mais. Je regarde pas. Non. Oh la elle dit merci, mais lui dit de rien. En s'approchant. Oh. Attends. Je suis sûr que ça passe. Oh là là. Ça passe moyen, mais. À moitié. What is the fuck? Mais what is the fuck? Je crois que j'ai fait un AVC. Mais tu crois que les deux nanas sur le canapé, ils disent mais qu'est-ce qui est con? Oh là là, ouais, de ouf. Genre, elle doit se dire mais pour qui il se prend ce connard? Bah en attendant, les deux sont dans son pieu donc. Ouais. Mais normal, il l'a payé. Ouais, les mêmes, ça marche pas. Mais bon, je vais à la gare, je sors 50 balles, j'en ai deux aussi. T'as vu la taille du zipper de la meuf à droite? Est-ce que t'as vu la taille de sa fermeture éclair? Bah après, la gare, t'auras pas les mêmes que celles qu'il y a dans son cul. Non. Tu penses qu'il va avoir pissé un monstre super fort? Oh, le monstre! Oh la vache, le monstre! Donc là, il est passé de tu m'excites à je me faisais bouler à l'école quand même. Tu m'excites. On va demander à l'expert, Spider. J'aimais quand tu m'as tordu le bras, tu peux recommencer, je me faisais bouler à l'école. Spider, tu fais quoi là? Merci, t'as des yeux magnifiques. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Oh non, t'es vraiment belle, c'est la plus belle fille que j'ai vue, c'est très gentil. Ou tu n'as pas encore vu la meilleure partie? La dernière, is okay. Oh, le oreilles. Truc de gigantesque bouffe. T'as pas encore vu la meilleure partie. On drop du bus sur les tours. Je fais top 1 direct. Et ils vont voter eux et ça va être ça encore parce que Spider il est fou et que lui il est fou. Mais tu sais, next one to know. Oh là, il monte sa bite en plus. Il pointe vers sa tub. Je te laisse la surprise. Regarde rien qu'il a fait, c'est mort mec. Une bite. Comme ça. Oh, ça va marcher putain. Oh là 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 là. Oh yes. Vas-y, pose ta main. Ça marche pas. C'est énorme. C'est le nom de mon prochain album, ça. Ne me laisse pas là avec cet énorme trick. Là franchement, je sais pas. C'est la D, quoi. Dis-moi quelque chose que j'ignore, ça fait un peu Twitter, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est la D. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Tu savais que le cours de l'or à Chypre était vachement influent sur le. Vas-y, B, ça peut être drôle, parce que c'est inattendu. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Si j'ontais.
Elle va dire donc. Hein. On leur m'en fout. Voilà. D'accord. Oh la vache. Ah bon, d'accord. Bah, oui, non, mais oui, des oui. fois, le plus simple, c'est le plus court. Hein. Si sur ce jeu, on avait un eye tracker, je pense que mes yeux seraient tout le temps en bas à droite de l'écran. Je suis désolé. Hein. Oui. Je ne suis qu'un homme. Nous ne pouvons rien y faire. T'as remarqué que ça fait un cul. Oh le déviant. Oh putain, il boive. T'as vu ce qu'il a dit, il boive. Juste avant sur le levier de vitesse. Embraye-moi le chibre. Mais je suis complet. C'est une automatique, vas-y. Propose-lui de partir tout de suite et d'aller chez toi. Demande-lui si elle a déjà fait l'amour dans le placard d'une boîte. Détends l'atmosphère et lâchant une caisse. Demande-lui si elle fréquente quelqu'un. Il y a des placards dans les boîtes. Elle fréquente personne parce qu'elle est en boîte de nuit, la pute. Bah, elle pourrait juste. Vas-y, je sais pas pourquoi j'ai essayé d'expliquer un truc. Quand il finit par virgule, la pute. Ne répondez pas. Il n'existe pas. Putain. Oh, là, c'est dangereux, je n'entends pas, il n'existe pas. Oh l'initial. Attends, si ça marche, je vais péter un pont. Well, let's fuck. Over there, there's an electrical closet. Vous allez cramer, c'est ce que vous allez faire. Everyone forgot to lock it or whatever. So, would you say we go over there and, you know, get it on? Oh la vache. Oh la gueule qu'elle a sortie, mec. Oh putain. Je crois que j'ai vu sa température corporelle se refroidir d'un coup. Wasted. We'll buy another one. I'm gonna go ride on your ass. Zandatsu. Turn off my pain inhibitors. It's time to let her rip. You think that means I need to sleep with you in the electrical closet because you've not even yes. Je crois que c'est la meuf la plus intelligente que j'ai vue de tout le jeu encore. De pour l'instant. Elle va paniquer. Ça fait de la radiation. La radiation c'est vert en plus. Ah, il s'est transformé en brachiosaure, mec. Oh la vache. J'ai oublié de dégainer d'ailleurs ce fond. Mais non, on aime pas tous les placards à balais, espèce de fou. Elle dit quoi? Même si elles aiment tous les placards à balais. C'était un peu chelou, non? Mais oui, complètement. Non, mais demande-lui si elle fréquente quelqu'un. C'est D ou C, ouais. Parce que là, il l'a ferré, en fait, donc maintenant, faut la ramener. Tu peux pas repartir sur un sujet sans intérêt et dire, ok, il a pas envie de caisse. Tu peux pas lui sortir d'un coup, ramener la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Franchement, ouais, c'est soit la... J'aurais dit la D, moi. La D, ouais, la passer. Donc là, il y a tout le monde qui a envie de niquer instantanément. Ouais, hein. Ouais, il y a pas 55. Oh les cons. Oh les cons. Attends. Ah non, mais c'est chez moi, il y a un placard. Ça, c'est vrai qu'il est que 19h30. 5h30. 5h30 du whisky. 5h15, c'est l'heure du Ricard. Oh non. Ah, et voilà. Faut pas se le faire tant qu'il est chaud, c'est comme les meufs. Qui c'est qui a dit ça? Non, c'est moi qui ai dit ça. Et puis le faire, ça rend pas les coups. Oh la vache! Oh la vache! Clipez pas, s'il vous plaît, clipez pas! Clipez, je vous en supplie! Non! Propose-lui de partir et d'aller manger quelque part chez toi, entre parenthèses! Dis que tu connais un endroit avec de la bonne musique et du bon vin, chez toi! Chez toi! Demande-lui si elle veut aller chez toi! Propose-lui un after chez toi! Dis-lui que ses amis viennent et qu'elle peut inviter les siens! La D, c'est pas mal! La moins creepy, c'est la D! Un after, c'est cool un after! Bah oui, en plus, tu l'inclus un petit peu dans ta vie privée, dans ta vie intime, c'est chez toi, tu vois. Il est 20h, tu la connais. 19h30, allez, on finit. Il est 5h30, on va se foutre une carpette, mon gars. Torche chiffon carpette, allez. Ouais, la D, c'est la moins vénère. À part s'il ment. Si là, s'il ment, c'est chaud, en vrai. Bah, il va lui filer un faux numéro, il va. Mamoshigiri direct. Non, c'est elle qui se propose. Non mais c'est pour qu'il la laisse tranquille. J'ai ramené les gobelets. Comme il a pas été insistant, elle a pas. J'ai ramené les gobelets. Bon, c'est une partielle au moins. Oh bah non. Eh bah écoute. Moi, je dis un after. Ouais, en fait tu l'invites à un after pour lui au final lui demander son numéro ou si elle veut direct te le donner. On fait un after chez moi. Quoi? Un lieu plus propice aux activités sexuelles, mais calme. Il a un problème, Usul. Vraiment. Hein.
Résultat, monsieur tout le monde, yo, je t'emmerde. Attends, non, tu déconnes. On a été plutôt bon. Tout à l'heure, on a eu 61%, c'était Casanova, maintenant 64%. Non, mais explorer 44%, c'est juste qu'on n'a pas vu tous les choix, je crois, non? Bah non. Ah, peut-être. On l'a peut-être pas assez exploré. Ça vous dit, vous voulez continuer un autre scénario ou on va sur Katawa? Ah, j'ai envie de continuer, moi. Ouais, encore un grand scénario, au moins. Ouf. J'aurais bien aimé voir Katawa. Allez, le café. C'est une pub. Ouais, c'est ça, c'est un truc pour Red Shadow Legends, mec. Franchement, on fait en sorte qu'il arrive. Qu'il fait... Oh, mais comment il s'infiltre? C'est où? Mais c'est chez lui. Demande si j'étais occupé. Avec un coquin, reste debout et demande-lui ce qu'elle lit. Demande-lui son avis sur ce que tu pourrais offrir à ton ami. Assieds-toi en lui demandant. Dis-lui qu'elle fait semblant de lire alors qu'en réalité elle cherche des hommes. Dis-lui que tu l'as lu ce livre que le personnage meurt à la fin. C'est un truc que je ferais dans la vraie vie. Putain. Oh, le terroriste. À la fin, Tom Cruise, il meurt, de toute façon. Oh, le terroriste littéraire. Bruce Willis, à la fin, c'est un fantôme. Fais-lui un dropkick en arrivant. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Ah, la gueule. Attends. Oh, le bâtard. À la fin, il meurt. A book. Déjà, la meuf, elle me répond ça, je me casse. C'est pas les métamorphoses? Si, c'est ça, c'est les métamorphoses. Désolé de gâcher l'histoire. Ah, voilà. C'est moins drôle d'un coup. Bah oui. Ah, c'est parce que t'es conne. Brina. Tu vois pas que ça a marché, cette approche de merde. Et en plus. Oh là 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 là. Donc j'avais raison. Mais tu cours pour draguer. Mais métamorphose, c'est pas une espèce de décès. Ah non, c'était la métamorphose ou métamorphose, j'ai pas vu. Non, c'est un film avec Goldblum. Apprends-en plus à son sujet. Sers soit des livres pour te vanter. Dis que ses cheveux sont plutôt beaux. Invite-la à venir chez toi. Demande-lui si elle vient souvent ici. Oh non, mec, la D, laisse tomber. C'est pas les... Non, mais franchement, t'arrives, tu fais t'as des beaux cheveux, tu niquais. T'as des beaux cheveux. Je mettrais bien de la semence dedans. On m'appelle jeu de fixation extrême. On m'appelle Jacques de Sange. C'est la qualité professionnelle. La qualité professionnelle, direct dans tes cheveux. Oh putain, lourd. J'aime bien tes cheveux. Ils sont longs avec une belle couleur, mais putain. Quoi? Mais c'est pas ça du tout la phrase qu'on a choisie. Oh, et quelqu'un qui a spawn à l'arrière. Elle sera encore là au prochain point de caméra. Elle demande une serveuse. Yes, I will. T'as quel gogol. Oh là. Oh, super champion. Oh, le giga gogol. Elle a disparu. Mais Switch. C'est vraiment un gigantesque mongol. Et qui fait, on se fera ça sous la douche parce que j'ai pas de fauteuil. Évidemment. Ouais, c'est le mot. Are you fucking retarded? Est-ce que t'es en train de m'inviter chez moi pour. Enfin, chez toi pour me laver les cheveux? Je suis de la CIA quand même. Étonnant ça. Est-ce que t'as vu le bruit qu'il a fait? Il a fait. Genre, il comprend pas pourquoi ça a pas marché, tu sais. Gogol. Au moins, il t'oubliera pas. Ah bah non, ton casier judiciaire non plus, mec, hein. C'est le 17, connard. Est-ce que t'as vu qu'il a dit je vais t'appeler pour être sûr que c'est le bon numéro? Genre le mec il sait faire caler tellement de fois, il a des techniques avancées pour être sûr que personne le prend pour un con. Ouh, merci Folkix. Merci. J'ai passé ma Saint-Valentin dans le salon NSFW du Discord, je suis tristesse. Oh, beau gosse. Bah viens, tu vas apprendre plein de trucs ici. Comment t'inquiète pas. Tu vas voir. T'as un casier judiciaire? T'inquiète pas mon gars. Comme toi, le casier judiciaire dans une semaine il sera plus vierge. Quel détraqué. Quoi? Favorable et positif, mais attends, mais. Non, ouais, t'as juste mis un coup de chasse dans la gueule. Il est en train de dire, ouais, là le jeu c'est tranquille, mais en vrai ça aurait marché. Genre.
Arrête, Usul. Tu impressionnes personne. Ouais, comme gentleman. Ah, j'adore ce mec. Un vrai Don Juan. C'est un de mes choix préférés quand même. Mais quoi, celui-là, ouais, ouais, écoute, regarde-le sur l'image. Regarde le prédateur. Je ne suis pas étonné. On dirait un homme de Néandertal qui vient de trouver des murs, oui. Mais c'est le A, du coup, la bonne réponse. Ouais, là. Bonne réponse. Bah, le truc, c'est que la D, non, mais la A, ça va, tu vois. Bah, la B, elle est complètement conne. En fait. Non, la B, on n'en parle pas, De la B, on n'en parle pas. La B n'existe pas, la B à n'existe moins pas. Avec les choix. Tout... Marvel avec les choix tout pétés qu'on a eu depuis le début. Tu connais Ghost Rider. Moi, j'ai bien aimé le moment où il y a Deadpool, il perd la tête. Ah, j'aime le mot. J'aime le mot. Oh là là. Oh, comment elle se la pète avec Kafka. Casse-toi, mec, c'est une connasse. Déjà, une nana qui va dans un lieu public pour lire de la philosophie et parler de Kafka, c'est une connasse. Casse-toi, mec. Fonce. Casse-toi, c'est pas perso dans la bande. Au pire, va au pute. Retourne dans la boîte, putain. T'es ouf. Retourne te faire maîtriser le bras par la meuf. Et moi j'ai tous les Civil War, tu veux mater? Jamais lu. PTDR! Ah, qu'est-ce qu'il a ou musulman? Mais qu'est-ce qu'il est con! Ou des Arabes! Je dirais, je vais rien dire, C'est pas. Mais c'est musulman! Oh, c'est bien, t'as bien fait d'abonner. Ah, j'adore ce mec! Oh, mais tu l'as fait chier, regarde comment elle s'emmerde! Tu connais Dimitri Glukovski, celui qui a écrit Métro? Tolstoï et Dostoïevski. Quel loser! Tolstoï! J'ai mis Tolstoï! Ça te dit qu'on fasse une lecture de Guerre et Paix? Ça parle de quoi, Guerre et Paix? De guerre. Mais attends, mais pour faire ça, faut avoir des connaissances en littéraire! Je ne sais pas! Dis donc, il faut connaître Tolstoï et Dostoïevski! Et... Attends, il est le truc de la Marguerite, et tu voilà, connais peut-être. Et voilà. Bien sûr, tu lis un bouquin, tu niques une meuf. Un bouquin, une meuf, un bouquin, une meuf. C'est pour ça qu'il faut avoir une bibliothèque, mon gars. T'as déjà lu Stephen King? Jurassic Park. J'ai des BD MGS. Chômeur. C'est vraiment une question de connasse en plus. Pourquoi tu prends le rien jeudi matin? Je te demande pourquoi t'es dans un café, grosse pute. Tu vas voir. Et toi, tu prends quoi? Bah, je lis. Mais je lis. Ouais, bah ouais. Ok, Spider. Tu veux le festival de la couille? C'est rigolo. Sinon, t'aimes bien Fast and Furious? C'est quoi, Vin Diesel? Il fait du tuning. Et les films de Gladiator. T'as bien reçu le gros. Je sors tout juste de tôle. Ah mec, ah, je suis parce que je sors tout juste de tôle. Fais une supposition en disant qu'elle enseigne éducation sexuelle. Dis que t'es pas allé à l'université, que c'est une perte de temps. Essaye de savoir si elle aime son travail ou si elle le fait juste pour l'argent. Je vois pas là, mec. La B c'est la vérité. Je vois pas, mec. La B. Démerdez-vous. Pour tous les étudiants, la B. J'ai aucune idée là. Je suis perdu. Laquelle, comment tu pourrais la tourner le mieux? Là, déjà, si j'ai que ces trois choix-là, je me barre, moi. Je fais Altered Cat IRL. Society. Sans pas les couilles. Oh là, comment il parle de lui. T'as vu ses chaussures, comment elles sont moches? À lui, hein, pas à elle. Bon, on la voit pas ses chaussures, moi, que ses cuisses, la pute. Attends, mais regarde les chaussures du mec. Regarde, il a des chaussures Super U. Non, par contre, c'est ses chaussettes, elles sont éclatées. Les chaussures de Keanu Reeves. Pourquoi? À l'E3? Non, des chaussures dégueulasses qu'il était en train de bader sur un banc. Ah oui, quand il mange son sandwich. J'ai pas suivi, c'est quelle situation? C'est une meuf, elle... Voilà, c'est une meuf qui est dans un café et on est venu l'agresser. Ouais. The Toy Story. J'ai bien aimé le troisième. Ça, c'est nul. Tu connais Toy Story? Ça, c'est ouais, une... clair. Au 3, j'ai pleuré quand ils sont dans le brouillard. Parce que j'ai les origines. Dans 2, on est obligé d'aller chercher ses jouets. Oh la fête!
Arrête de gueuler, Spider. C'est votre vendeur, vous spoil. Oh putain, quoi? J'ai rien fait là. Ah oui, non, d'accord. Ah, j'étais encore un truc de 1/4 d'heure, ok, c'est pour ça. Oh. Il y a des chaussures qui courent vite. C'est pour draguer super vite, mec. Y'en a pas de culture américaine. Laquelle? Laquelle? Ah, tu veux dire la culture anglaise, française et à peu près toutes les autres cultures en même temps? Ouais. Elle a 200 ans, tu dois avoir une feuille à 4, meuf. La Renaissance, tu connais quoi? Ton pays, il a 300 ans, meuf, tu fous pas de ma gueule. Tu veux dire Napoléon? Une valeur qu'ont les Américains, c'est l'avenir. Ouais, pourquoi ils ont le port d'armes, du coup? Justement. Comme le film Retour vers le futur. Les valeurs américaines, c'est les milkshakes et le tir sur cible mobile. Donc... Franchement, ça coupe pas mal de choses. T'en penses quoi de Black Lives Matter? Attends, y'a quoi? T'en penses quoi de Trump? Demandez de quoi il s'agit exactement et suppose que ça va être l'invention des donuts et de hamburgers. Je vous laisse passer au gire, je l'apprends direct. C'est la seule bonne réponse. Mec, c'est exactement ce qu'on a dit! C'est exactement ce qu'on a dit, mec! Oh, vous avez inventé en plus! Internet, ça c'était dans ma poche! Il y connaît rien en plus! Il y connaît rien en plus! Google was from Stanford University, yeah. Was... Putain, c'est gênant, mec. Hein. J'ai fait une page avec un champ de recherche, c'est pas vraiment le culturel. Ouais, voilà, en fait, non, mais c'est... Y'a qui comme américain? Ah, la question éclatée! Tu me sembles un peu eurocentriste, toi, mais ta gueule. Regarde-le, regarde l'enculé! Oh la salope! Ah l'énorme pute! Oh là là! Franchement, il aurait pu dire la réponse de Web, tu vois, ça aurait été pareil! La culture américaine, moi aussi, j'aurais fumé des élèves dans un lycée! Mais laisse-la tranquille! Oh mec, il est ultra man! À part Iron Man, ils ont quoi? T'en es suédois! Oh là là, est-ce que t'as vu que la caméra commence à bouger? Je crois que le caméraman il commence à faire un AVC en fait. Il peut pas tenir. Mais elle comprend pas la meuf que la seule réponse admissible à ces questions c'est va te faire foutre? C'est de lui balancer la tasse dans la gueule en fait. Non, c'est merde la bonne réponse! Merde! C'est vrai que j'aime bien les donuts, ça fait un point pour la mec! C'est une grande victoire, c'est bien! Non! Mais quoi, mais non! C'est un mec de mieux! Mais mec! Go skip! Je comprends pas! Je veux pas y croire! Oh putain, je comprends pas! Oh! Ok, le problème! Mec, mais. La gueule qu'il a faite! Mais va chercher lui plutôt! Mais... Oh, merci Discord, merci beaucoup mec! merci Discord! Mais mec, mais le plan sur son énorme apparaître le gars le plus lourd de l'univers, je sais pas quoi dire à part Nichon. Et bah, dis Nichon, c'est déjà bien! Dis que ça va être ennuyeux que tu dis demander plus d'argent pour les impressions, dis-lui qu'elle peut ignorer les collègues qu'elle aime pas, et réponds de manière var qu'elle t'a pas écouté! Sois honnête et dis que t'as été distrait par une fille! La C! Oh merde, son gros cul! La D, dirais, je suis désolé, y'a un boulard! Non, son gros cul là! Excuse-moi, mademoiselle, mais y'a un avion de chasse, tu l'as vu? Y'a un truc qui est passé là, je t'ai pas écouté pendant le boulard! Tu l'as vu le F-35? Qui vient de passer la meuf! Attends, bouge pas! Il est magnifique! L'honnêteté, c'est bien, c'est pas une réponse séductive, apparemment! Oh là là! Oh putain! Elle avait un fion! Elle est parfaite! Elle est partie! Oh la vache! Elle a un cul parfait! Oh, c'est horrible de dire ça! She looked back and winked at me or something, not smiled, you know? Totally distracted. Oh, elle a perdu tout espoir. Mais il en fait tellement trop en plus. Mais oui. Oh la vache. Je sais pas d'être quoi déjà. Oh putain. Si tu me dis que ça passe même partiellement, je vais à Alt F4. Honnêtement, elle est accro.
incroyable. Comparé à toi. Non, voilà, c'est bon. Oh, c'est dégueulasse. Mon vous, j'ai vu un war mal passé. Franchement, c'est une bonne journée. Je vais rentrer chez moi. Franchement, mec. Mais non, mais... Bon, en plus, elle a l'air pas trop... Elle a l'air chiante, mais pas trop conne. Si tu fais semblant, elle va te cramer direct. Hein. Alors... La B, je veux dire, ça serait mieux. Pendant que vous étiez en train de jouer, j'ai checké un petit peu le casting du jeu. Ouais. Il y a la sœur du mec dedans. Oh. Et est-ce que c'est une actrice ou est-ce qu'il essaie de la pécho? Est-ce qu'on l'a vu déjà? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'il essaie de la pécho? J'arrive pas à la reconnaître, je crois pas qu'on l'ait vu. Oh merde. Mais j'ai son nom. Attends, tu peux m'envoyer sur Messenger? Je suis assez physionomiste et je pourrais peut-être te dire. Vas-y, envoie-la-moi. Bah, je vais l'envoyer sur Discord et puis. Ouais, ok. Ouais. Tac. Faut faire avec. Oh là là. Ce mec il a pas du tout écouté. Mais alors vraiment pas quoi. Putain mais il est complètement con. C'est la serveuse. Tu crois que c'est la serveuse? Ça se trouve. Fais voir, c'est sa sœur. Ou alors c'était celle qui rigolait dans le bar. Non. Je crois que c'est elle, sa sœur. Je crois pas qu'on l'ait encore vu celle-là. Je comprends pas. Non, elle a une tête un petit peu d'alien. Elle a l'air cruche. Par contre, en regardant le casting, toutes les actrices, et je dis bien toutes, ouais. À part sa sœur du coup, font du cul, ont un nom à consonance Europe de l'Est. Oui, bah, oui, bien sûr. Ouais, il a payé ses bouchées de pain. C'est évident. C'est pour ça que j'en ai déjà vu aux alentours de la gare. Et c'est pour ça qu'ils ont les accents aussi. Ça joue. Oh, mais il a rien à écouter, c'est une catastrophe. Ouais, la culture, voilà, américaine. Ouais, je comprends. Les donuts, les AR-15. La guerre. T'en penses quoi des AR-10? T'aimes bien l'Irak? Genre en général. C'est un beau pays. Je suis sûr que ça passe à moitié. Ouais. C'est l'équivalent de CJ quand tu raccompagnes une meuf dans GTA San Andreas. Et qui fait yeah. Bah voilà. Putain, ça passe. Bah, ça passe à moitié, bien entendu que ça passe à moitié, il a écouté qu'à moitié. C'est pas une excuse. Oh la vache. Qu'est-ce que t'aimes? La bite. Ah, elle aime les chiens, elle aussi, tiens. Ah, je regarde le chien. T'aimes bien le miel aussi. Slurp. Ah bah oui. Ah, t'as dit qu'elle était allée à Prague. Ah bah tiens. Et tu viens de duquel de ces pays alors? S'il te plaît. Svetlana. Réponds honnêtement. C'est pas une blague hein. C'est vraiment l'ex-bloc les gars, rigolez pas. Je t'aime voyager, je vais te faire tourner aux quatre coins de ma chambre. Go faire, ouais, non. Caillou. Il va pas me la faire. Je peux voir le tien. Raconte-lui tes aventures dans le Grand Canyon. Dis-lui que t'es jamais allé mais que ça te plairait. Dis-lui que c'est un endroit nul et qu'ils ont même pas de wifi. Demande-lui plus de détails sur ce qu'elle a aimé en particulier. Dis-lui que ton voyage préféré était en Thaïlande et donne-lui des détails sur les relations sexuelles que t'as eues. Je vous laisse faire. La C c'est la meilleure. Je vous laisse faire les gars, vous savez quoi répondre. Je veux savoir si t'as sexuel. Yeah, what did you guys? Mec, la C c'est la meilleure, arrête. I fuck Jackie Chan, dude. Yeah, ching chong. Oh là, t'as pas le droit, ça. C'est lui en ce moment. Fais jouer, j'en débute. Ça te dit d'être ma prochaine destination? Là, je vous laisse tout seul. Attends. Hong Kong. J'y achète des porte-clés. Ouh, ça commence. Tu fais pas Thaïlande? Non. Lalalalalala. J'ai mal. J'ai pas de rictus. What do you mean?
Mais t'as très bien compris, salope. Lourd. Danilo, il dit lourd. Toi, 50 dollars. Oui, il parle de tourisme sexuel, oui, bien sûr, oui. Oui, il est con. C'est pas cher. La meuf, elle dit, ouais, c'est assez choquant. Il dit, ouais, mais en plus, c'est pas cher. les prostituées heureuses, oui. Bien sûr. Oui, fort. Wrong. And I made them happier, I think. Je les ai rapportés de la joie. Aïe, aïe, aïe. Attends, il va dire que les autres mecs ont des petites bites, alors, ça, là. Je suis très poli et amical. Dans leur cul. Je frappe à la porte avant d'entrer, je suis pas, pas un monstre. Je garde mes chaussettes, je trouve ça pas pratique. Sinon, ça dit de partir en Asie. T'as déjà entendu parler de la Thaïlande, des richesses. Putain, en plus, elle est encore plus hermétique que les autres meufs. Les autres meufs, tu vois, j'ai l'impression qu'ils pouvaient les attaquer un peu comme ils voulaient, tu vois. Mais elle a l'air hermétique de tous les côtés, ouais, les si autres, je peux dire. C'était la dernière, la blonde, c'était une matière spongieuse. Enfin, c'était un corps caverneux. Elle, tu sens que c'est âpre. C'est âpre, on dirait un. Ah, oh, comment ça s'appelle du pinard. Un pain d'épices. Un pain d'épices, ouais, un pain d'épices. Un pain d'épices sans sauce. Ne va pas en Thaïlande et ne couche pas avec les prostituées. Avec les prostituées avec qui t'as pas couché. Avec qui t'as pas couché quand t'es pas allé en Thaïlande. En fait, il a tout inventé, tu sais. En vrai. La D, B, non, B. B. B ou D, je dirais. Je dirais B, moi. De toute façon, ils sont en train de choisir quoi? Ils sont en train de choisir C? Ils sont en train de lire surtout, je pense. Il y a plus de trois mots, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Ils sont en train de paniquer. Dis-lui. Ils lisent avec leurs doigts. Ils sont en train de faire une pléon. Oh les cons! Ils ont choisi le truc avec le oui. C'est pas un gros trou vide dans le sol. T'as vu ta mère? Oh mais qu'est-ce qu'il est con ce mec! Y'a pas de boîte de nuit. Oh, oh le bolos. Le vrai bolos. C'est vraiment, c'est il passe vraiment pour un con là. Oui, bien sûr. Oh là là, j'adore ce mec. Nature c'est chiant. Nature c'est chiant. Viens au resto, on fait un centre commercial. Regarde-le. Grand Canyon. Oh putain. Parce que c'est un mec comme ça en fait. IRL il se fait poinçonner assez rapidement en fait. Je regarde. Je cherche un peu des infos sur le jeu. Et t'as tellement de sites genre The Verge et tout qui sont en train de péter un plomb sur le jeu. Ah bah oui, non mais bien sûr. Genre, attends. The Verge, Super Seducer, the last game we need in the Me Too era. C'est quoi, ça veut dire quoi? Bah, Me Too, ah, Me Too, ah oui, l'hashtag Me Too. Oh, ah bah oui, pour le coup, ouais. C'est pas trop raccord. Du coup, ça a marché quand même? Ça a marché, oui, ça partiellement a marché. À moitié, ouais. Je sais plus quoi dire. Eh bah, va boire un petit café. Je suis paumé. La meuf au bar, elle va dire, vous commandez par contre? Ton café, tu prends un sucre ou deux? Tu mangeras le chocolat qu'on t'a mis dedans. Richard, qu'elle va comme d'hab. Détourne, regarde autour de toi en cherchant quelque chose à dire. Dis que t'aimes pas les silences gênants. Mec, c'est l'âne dans Shrek. Pendant le carrousel. Pendant le carrousel. Attends, je vais juste voir la A. Bougez pas, je suis désolé les gars. Je vous supplante, mais je veux voir la A. Oh. Eh ben non, il est où? Non, on lui répond pas, Non, j'ai envie d'une bière. J'ai envie d'être un grand verre de limonade de chat. J'ai envie de boire tout ton liquide séminal. Oh, mais putain! Mais mec! Mais le liquide séminal, par contre. Je suis désolé, j'esquive votre vote sur C du coup. Ton liquide séminal, c'est avec un ou deux sucres? Ça dépend si elle est diabétique, c'est déjà sucré. Elle a aucun sens cette relation récente là. Non, mais la discussion elle a vraiment éclaté en même. On smash? Smash gauche, smash droit. Mais elle a l'air tellement pas intéressée là. T'as déjà parlé de Smash Bros? T'as déjà fait les Smash? Ouais, no item, destination finale, Fox and Me.
Franchement, forcément, franchement, Fox. Hein. T'as déjà joué à Stalker. Dis-lui que c'est stupide, oh que Poutine est méchant et que les Russes sont des idiots, puis faire un masque. Yes. Ok, Call of Duty. Bien sûr, ah, bien sûr. Ah. Pourquoi il y a Isn't a Selective Answer à chaque fin des phrases? C'est parce que quand vous dites des choses pendant les périodes de vote, le bot, il comprend pas en fait ce que c'est, il comprend pas que c'est une réponse, du coup, il te dit que c'est pas une réponse viable. C'est tout. C'est juste ça. Voilà. Remember, no Russian isn't a seductive answer. Oh là là. Oh, oh la gueule. Qu'est-ce qu'il veut dire? People sometimes think that maybe Europe is more interesting or safer or something, but I've spent a lot of time in Russia. Mais carrément pas. Prends Poutine par exemple. Ça nous envahir un peu partout, faire péter des trucs. Oh là là. Oh mec. Qu'est-ce qu'on se la neige. Oh, c'est vraiment un mec. Ça a demeuré ça. C'est, on dirait un gland américain en fait. Un redneck. Un redneck, ouais. En plus, elle essaye de le convaincre, elle essaye de... Oh, regarde les grimaces qu'il fait. Elle essaye de lui dire, elle essaye de lui expliquer, mais il comprend pas, lui. C'est un désastreux. Mais t'as que ça, toi. Ah bah tiens, Tolstoy. Dis donc. Il était plutôt bon. C'est quoi? Ah mais c'est Momo. T'aimes pas la liberté? Pas la liberté. Mais c'est Momo. Mais ce serait la première question si c'était Momo. Ça fait que 100 ans. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous buvez? Vous êtes communiste? Je peux m'asseoir? Mais lui demande pas de prendre du recul. T'as vu de quoi il te parle? Il est complètement c'est un con. Idiot, il se bave dessus. Si tu dis le russe, t'as la Russie. Mais t'es pas maléfique. mec, je te mets le pied fixe. Mais c'est pas Zerg. Tu peux faire preuve d'empathie, un petit chat. C'est lequel qui est rentré dans ta chambre, là? Ah, c'est Pio Pio. J'adore ce mec. C'est Liberty Prime. La mort est une alternative aux communistes. Communimes. Vente-toi en lui parlant de toutes les langues que tu maîtrises. Ça va partir en couille, ça, on est d'accord? Ouais, 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 ouais. Tellement partir. Non, 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 ça va partir en balade. La D, elle est bonne. C'est ce qu'il vient de dire? Mais non. Ah, ça, genre c'est une réponse sérieuse. Ah, oui, ça, oui, ça, oui, ça va partir en bas. Mais non, non, ça va partir en bas. On peut le roter à la gueule. Sauf s'il si rigole. Mais il rigole jamais, c'est ça. Moi aussi, par exemple, je parle super bien italien. Je suis sûr que tu peux le faire rire. Hey, j'adore les calzones. Oh, il parle vraiment russe. Il parle vraiment russe en fait. Ouais, 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 c'est du russe bien bon. En fait, depuis tout à l'heure, il est super cultivé. Bah, en fait, ouais. C'est juste un énorme trou du cul. En fait, on se fout de sa gueule à cause des choix, mais en fait, je crois qu'il est vraiment cultivé en fait. Bah, oui, mais non, mais là, c'était du bon russe. Hein. Ouais, bon, par contre, elle commence à lâcher un peu. En même temps, elle comprend pas. Ça va, en arabe, il a dit Salam alaikum, Allah Akbar. J'attends qu'il parle français. Allez, français, français, français. Schnell los. Montre-moi tes papiers. Mais dis-moi qu'il parle français. Non, c'est pas vrai. Bravo, t'es con. Italien? Pinocchio! Pinocchio! La France! Parle français, mec! Je parle la plupart des langues! Oh, mec! S'il lâche un ouga bouga. Non, c'est un énorme aussi! Non, en fait, il est con! Au début, ça allait, mais en fait, il est con! Je parle toutes les langues! Il y en a combien déjà? 250, je sais pas quoi? Dialecte? 1250? You're the hot ticket! Je suis le patron. Oh, le relou, mec. Me dis pas que ça marche, me dis pas que ça marche. Et là, ça marche un peu. C'est cool, mais c'est... Il a dit that's nice, on aurait dit Borat. That's nice, but... Oh là 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 là. Si t'aimes la langue, il y a la mienne. Bien, Discord, regarde là, celle-là. C'est mature. T'oublieras pas de la sortir au juge. La meuf à gauche, elle essaie de se maintenir depuis tout à l'heure, mais elle a mal à la nuque, je crois.
Bah ouais, alors elle doit se faire mal au dos, là. De ta chatte. Un chat à ma mère. Bah là, je reviens juste du club, je me suis fait maîtriser le bras, j'ai mal, mais... Bah là, je viens du bar, j'ai pris un verre. Là, sans déconner, ça sent trop à peine. Et heureusement que j'étais assis, du coup. Bah évidemment. Abruti. Il est con ou quoi ? T'aimes mon accent britannique ? Non, calme-toi par contre. Dis-lui que ton accent britannique rend les filles folles et que ça te permet de t'envoyer en l'air partout. Parle de la façon dont l'étranger voit les Anglais et demande-lui comment les gens se comportent avec les Américains. Ça, c'est pas mal. La C, elle est intéressante, tu vois. La C, elle est intéressante. Elle est légit intéressante. Mais la B, elle est éclatée au sens. J'ai envie de me crever les yeux. Elle est au lait de coco, là. Je vais te tuer avec ma tasse à thé. Je vais te tuer avec ma tasse à thé. Non, ça part sur du C quand même ? Non, c'est, non c'est la tasse à café dans Riddick. Non, c'est la tasse à thé. Je vais te tuer avec ma tasse à thé, ouais. On y reviendra plus tard. Putain, le mec, il fait des développements à la Laurent Boyer en plus. Chapitre 1. Bon, je pense qu'on va terminer ce chapitre-là d'ailleurs et puis on passera sur Katawa Shoujo après. Ouais. Ouais, je vais bientôt partir, moi. Bah non, tu vas rester pour Katawa Shoujo. Bah non, faut que je parte. Faut que tu saches quelle meuf tu vas niquer. Quand même. Ah bah ça, je peux vous aider, ça. Fais gaffe ou je te laisse la brûler, hein. Je te laisse le chipster. Bon, les couilles, moi. Hein. Non, je sais pas, j'aime bien quand ça croustille. Moi, je me scelle avec les cheveux roses. Mais tu veux pas la ken. Tu peux pas, c'est avec les cheveux. C'est laquelle qui a pas... Attends, celle qui a pas de bras, par contre, elle est dégueu. Celle qui a pas de bras, c'est celle qui a les gangrènes, la gangrène, non. La gangrène. Non, celle qui a pas de pied, c'est la petite blonde qui a la gangrène. Pas de pied. Ça t'excite. Katawa Shoujo, le veine handicapé. Non, l'arène à shooter, connard. Non, le alors, mémoire que j'ai. Je ne fétichise aucun accent. La cheveux rose, c'est particulier parce qu'on sait pas vraiment ce qu'elle a. Elle est conne. Dans ce cas-là, t'es handicapé, Spider. Mais on jamais dans le jeu, ils vont nous dire. C'est gentil. C'est pas gentil. Casse-toi. C'est comme ça que tu parles aux voix dans ta tête. Je parle aux chats. Même si c'est la vérité, comment ça s'appelle. Pourquoi c'est une mauvaise réponse? Bah, en gros, t'es en train de dire que tu vas ken toutes les meufs du monde. Ah non, j'ai un accent fou, je veux baiser. C'était la B, je crois qu'il parlait de la C. On va dire la C. T'aimes l'accent anglais? T'aimes la bite? On est fait pour. J'ai tout ce qu'il te faut. Je suis calibré pour satisfaire. Oh là là. Elle est nulle cette conversation, elle est longue, elle est chiante. Elle est pas. C'était mieux tout à l'heure quand il se faisait maîtriser par des meufs sur un canapé et qu'il montrait sa bite. Non, mais on dirait juste une interview de Laurent Boyer en fait. Donc, Oui, j'ai pas fait gaffe parce qu'il a même pas caché le micro. Ah bon? Bah non, regarde. Ah oui, dans sa poche. Ah non, oui, sur elle aussi, il y a un micro-cravate en fait. Oui. J'avais pas vu. Ah oui, mais même sur lui en fait, j'avais même pas remarqué depuis tout à l'heure moi. Oui, c'est pour ça que t'as dit micro, je me suis fait. Ah bah oui. Il est con. Après, bon, c'est pas censé être non plus une mise en situation à 100%, c'est pas une simulation. Hein. Oh, bah je t'emmerde. Dis-lui qu'elle te plaît, que tu voudrais la revoir, demande-lui son numéro. Dis-lui que tu trouves incroyablement belle et que tu voudrais l'inviter à rendez-vous. Dis-lui ce qu'elle aime faire de son temps libre. Demande-lui alors ce qu'elle aime. Alors toi, t'aimes faire ça. Toi, t'aimes jouer à la Wii, t'aimes jouer à Wii Sports. Non. Ah si. On l'a casu. Ro. C'est ce que je devrais faire, la B. Que tu la trouves incroyablement belle et que tu voudrais l'inviter à un rendez-vous. Quoi? Mais non. Comment ça, c'est ce que je devrais faire, la B? En gros, je suppose qu'il parle de sa propre relation et qu'il devrait faire la B. Ah, on s'en branle. Oui. D'accord. D'accord, c'est brûture. That's really sweet, but unfortunately, I actually am kind of seeing someone. Mais oui, il fallait demander au début, Rudy. Motus. Donc là, tu es en train de dire que j'ai perdu 20 minutes. Putain. Un petit rendez-vous test, mais non. Salope. No, I don't think so. Oh, mais non. I'm pretty sure. Tout ça pour ça, non, mais mec. Tiens, on va terminer là-dessus, putain. T'inquiète pas, dans Katawa, on va baiser. Mais en plus non, c'est la version censurée. Ah, il se casse le mec, il se barre comme un voleur quoi. T'as vu ce qu'il a dit? Je vais aller pleurer là-bas un peu. En buvant un café. Comment ça trop tôt? Elle a un mec? Bon bah écoute.
Mais je voudrais juste voir un petit truc juste dans le jeu, dans celui-là après. Je crois qu'au menu principal, il y a un livre avec des conseils. Il me semble. Et ça, c'est gratos. Hein. Ça, c'est pour vous, c'est gratos. Cadeau, hein. Ça. Ça, c'est cadeau. Bénéf. Oh meuf, t'es du gaspillage. J'ai gaspillé toutes mes répliques sur Tolstoïevski et Dolstoïevski là. Oh, en plus j'aime pas la vodka, il y a des ours et il y a de la neige. Non, c'était pas Wonderful en plus. Elle a passé son temps à t'envoyer sur Facebook. Tu lui as juste éclaté sa notion de la culture américaine, mais. Alors. T'aimes pas les hommes. Après, elle a pas à te répondre, hein. Voilà. Oh, oh la vache. Okay, mec, il est dans le Shadow World. Ah, la Shadow World. Elle la casse dans le Shadow World. Le Shadow World. Il va se péter la gueule là, oh, il se sent pas serein sur ses jambes. Mec, non mais c'est pas ouf. Ah, et bon café, ouais. franchement, dans ces cas-là, tu lui dis juste bon, bah c'était sympa, au revoir, tu vois. Quand tu vois qu'elle est un petit peu, c'est un peu comme une palourde, tu lui dis c'est pas grave, tu vois, tu reviendras l'année prochaine quand elle sera ouverte. Elle est communiste, de toute façon. Elle aime la vodka et les ours, je sais pas quoi, et Poutine. Allez, c'est. What do you like to do in, I don't know, for fun, like in the evening? Counter. Do drink, dance, anything else? All of the above. Yeah. Oh la relou. Vas-y, dis que t'aimes le cinéma aussi. Impressionne-moi. T'as déjà vu les touches. C'est le mec de l'autre côté du bar que personne laisse rentrer. Le mec à la fenêtre. Non. Le mec qui soulève les touches. C'est mieux Michael Bay. On devrait se faire une soirée. Mais attends, c'est pas compatible. Chicha, Anouka, cocktail, Anouka. Il a proposé une chicha, putain. Chicha, kung fu, juste brésilien avec mon pote. J'amène Karim. Tu sais ce que c'est le porte-monnaie des femmes. Tu connais le papa sucré. Franchement, c'est une réplique à sortir. Je peux être ton papa sucré. Comment quand t'es sûr de pas choper une fille, bon. Est-ce que tu connais les papas sucrés? Oh l'horreur. On a cassé le bot, il s'arrête plus. Ouais, il est con, je suis désolé. Hein. Ça arrive. Elle aime pêcher. Bah ouais. T'es bien le poisson parce que t'es bien un thon. Ah, c'est ça l'odeur. J'ai jamais pêché. Enfin, je suis pas. Mec, vanne là sur la pêche. Je suis pas la vanner sur la pêche. Moi j'aime la chasse. Moi j'aime la chasse au calibre 50. Je vais à la frontière, tu sais, sud Texas. Et c'est parti. Touche son visage. Mais what? C'est quoi la technique du cube? Je sais pas. J'aime bien que touche son visage parce qu'il y a facilement 1m50, 2m entre les deux. En fait, du coup, il va être obligé de se rapprocher. Il va s'allonger sur la table, il va tout renverser. Ouais. Il va s'élancer. Oh, j'espère. Il se part sur la table. Il va lui mettre une taloche, tu sais. Genre, il saute sur elle, à la Max Payne, tu sais. Et il lui met une taloche dans la gueule. Oh. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Canaillou. Je te tiens, je touche le visage de pute. Dis papayou. Je voulais juste faire gousi gousi. Eh hey, mais mec. Oh le psychopathe. Bah oui, ça fait bizarre. Ah bah en Angleterre ça se fait beaucoup. Pardon, c'est juste que je suis l'autre culture. Comme of tea. Non. Mais non. Non, c'est pas ça alors. J'ai juste une MST sur le bout de l'index. Du gland. Sur un de mes doigts, je te dis pas lequel. De mon gland de lait. Mais arrête. Mais lâche ton visage. Lâche-le. Non, je suis armé. Hein. Je suis américaine, je suis armé. Hein. Arrête. Creepy. Mais oui, c'est creepy. Mais non. Comment ça en journée? Ouais, dans la nuit en fait, quand t'arrives sur une meuf, tu lui touches le visage. 21h, c'est bon, c'est parti. Il dit c'est un exemple marrant, mais en journée à visage découvert.
La D, par contre, j'aimerais bien ça. C'est quoi la technique? Ouais, c'est le film Cube. T'as déjà joué au Portal? T'as déjà vu Hyper Cube? Je suis dans le futur, on a déjà niqué. Dans ma réalité, t'es une pute. Imagine un énorme cube. Ferme les yeux, ouvre la bouche. Gros cube. Je vais pas aimer, non? Je vais pas aimer, je crois. Comment il connaît autant de tests psychologiques? Il a étudié Tolstoï, guerre et paix. Quand il livre sur la guerre et sur la paix. Ah mais si, j'ai déjà entendu ce truc là, je crois. Oui, c'est ça, ouais, bah c'est le même, en fait, c'est le même truc que le champ de fraises en fait. Ça s'appelle un escabeau. Pute. À peu près ça. And then somewhere in the film there's a horse. Yeah, sure. Okay. And can you tell me like what is the Arrête. It's grazing, it's a paint. Okay. Putain, c'est un... carrément, la meuf elle connaît les American Pinto et tout. La meuf trop balèze en fait. Je vois que t'aimes bien Alexandra Alderman. Zip. There are some flowers. Tell me about the flowers. Parle-moi des fleurs. The horse is eating the flowers. Oh, le mec, le professeur tourne de ça. J'ai inventé une machine. On est sur la lune. C'est une fusée V2, mais faut pas s'en faire, il y a des cloches nazies. C'est avec les aliens, en fait, ils ont construit Stonehenge. Mec, je suis sûr que c'est un super conversation starter de faire des références à Alien Theory. Franchement, je suis sûr que tu peux en sortir des trucs. C'est vrai que la Terre elle était plate, elle est supportée par une tortue, mais en fait c'est une tortue alien. C'est vrai que la Terre est en forme de donut. T'es américaine, tu devrais connaître. Gros cul. C'est vrai que la Terre c'était comme un burger. Un burger. Cheval représente ton homme. Prenez des notes les gars, prenez des notes, j'espère que vous non, avez pris les notes parce moi, que... Moi j'écoute attentivement parce que c'est intéressant en vrai. Yadar il va arriver, il fait tu connais le cheval? En fait il est en train de brouter, il est dans un bec. Imagine que t'as un cube dans un champ de fraises ou je sais pas quoi. Tu l'as mis où la barrière? Et à la fin, il y a une grosse mute, tu tombes dans les fraises. Il y a un local électrique. Bonjour, imagine qu'il y a une échelle dans un champ de cube. Ferme les yeux en tout cas. Il t'en pense pas que tu veux. Il y a un combat de chien. Mais il y a un combat de chien dans le cube. Il y a un combat de chien dans le cube. Ah mec. Les pros de la drague. Oh putain, y'a rien de pire. Moi j'ai... Alors si tu veux, j'ai vu Iron Man 3, je sais comment il drague Pepper Potts. Pepper. Voilà. Bon, c'est bientôt fini là, c'est trop long. Hein. Mais je crois que mon chat c'est devenu un chien. Il va faire des combats aussi. Non, mais tu sais, le truc normalement pour fermer les pots de tabac. Oui. Ça fait 3 fois que je lui envoie, ça fait 3 fois qu'il revient. Il revient avec dans la gueule. Ah oui, mais il est con en fait. T'as pété ton chat, mec. Dis-lui que t'as quelques minutes, invite-la à faire l'amour dans les toilettes, prends son numéro et dis-lui que tu la contacteras, propose-lui d'aller faire une randonnée à l'occasion et prends son numéro, propose-lui d'aller voir un bar de... Je veux faire une randonnée dans un champ de fraises. Avec un cube, enfin j'ai rien compris, viens. Mais oh là là, on peut en finir. Je pense que ça va être la fin là. Mec, elle est trop longue cette conversation. Je crois qu'elle a duré une heure, mec. Sans déconner. Ça m'étonnerait même pas, mec. You seem like an adventurous girl. Oh là là. Tu veux faire la chose dans les toilettes. La chose. Des chasse des quatre fantastiques. Tu connais Tolstoï? Tu connais le style allemand? Chambre. 3 à 4 minutes. Ça dépend si je suis rapide, à 30 secondes c'est plié. Allez. Un petit coup, un petit coup.
want you to leave my table. J'ai déjà entendu ça. Ah, Gandalf. Bien. Oh, ça fait un moment que j'ai pas entendu ce nom-là. You go do that. You come and join me in 30 seconds so that people don't see us friends. Putain. Il a vraiment une tête de prédateur sexuel, mais vite en douche pluie. I won't be there. Just go. Go to the bathroom. Mais en plus il est con cette discussion, c'est en plus il est complètement con, elle est vraiment horrible. C'est con parce que je suis sûr qu'il y avait des cools après en plus. Faudra voir ça la prochaine. Prochaine Saint-Valentin, on fait Super Seducer 1 et 2. Parce que oui, il y en a eu deux, hein. Il y en a eu deux des Super Seducer. Et un troisième qui va bientôt arriver. Oui, ouais, et on sera dedans. Il va sur Pornhub, t'en as plein. Des super séduceurs ? Oui. Bah ils ken, donc ça va bien des super séduceurs. Ils ont réussi au moins. Bah non, grand-mère, comment t'as fait ? Attends, change pas l'ampoule, je vais te tenir les reins. Qu'est-ce que tu regardes ? Oh mais mec, qu'est-ce que tu regardes ? Mais j'ai de la tête, grand-mère. Comment ça, grand-mère ? Espèce de fou! Mais le sombre délire! Mais Spider! Je rigole! Mais non! Il est en It was just a prank! I was only pretending to be retarded! Putain! Oh, en plus! T'as pas de bol, c'est tellement spécifique, mec! Ah le fou! Je voulais juste faire une blague, si c'est transformé en horreur. Ah le fou mental! Pourquoi tu me ramènes ça? Qu'est-ce qui te ramène encore l'autre con de chat? Mais évidemment qu'il parle à son chat, il met du porno avec des vieilles. Fais gaffe parce que ça rentre dans le lore ça maintenant. Ah oui. Eh, les gens ils vont t'envoyer des mamies à poil, hein, fais gaffe. Franchement vous faites ça, vous êtes banni. Non. Non, t'inquiète pas. Ils sont bannis instantanément. Ah ma vagin. Allez, on se casse là. Dis-leur au revoir en la serrant dans tes bras. Son numéro, allez dégage. Fouillons ma Wakshigiri, c'est long là. En plus elle est conne. Elle a même pas fini son café, il doit être froid, ça doit être dégueulasse. Serre-lui la main pendant un long moment, mais non, les gars! Oh, mais vous faites chier! Qu'est-ce qu'ils ont mis? Serre-lui la main pendant un long moment. Ça va être gênant, non? Comme un bonhomme! Ça va être tellement gênant! Allez, bonhomme! Grosse couille, brum-brum! Lâche la main, elle essaie de lâcher la main! Oh mec, quoi? Oh, elle essaie d'enlever la main, elle arrive pas. Lâche, là. Tu l'as envoyé une vieille à poil, c'est ça? Il m'a tagué, c'est mort, je clique. Envoyez ça dans la forge profonde. Il l'a déjà fait. Ah d'accord, ok, très bien. Attends, je vais aller voir. Mettez un spoiler par contre. J'ai mis un spoiler, parce que ouais, c'est pour ça. C'est mort, mec. Ah, oh, t'aimes pas l'humour. Attends, j'en choisis une. Nice. Pourquoi j'ai regardé ça? Là, ouais, je suis heureux que ton navigateur soit pourri avec ces conneries, mais bon. Fais voir, je vais voir juste vite fait. Ça va mettre le truc en pause vite fait. Oh, le spoiler, il y a beaucoup de roses dessus. Ouais, non, c'est dégueulé. Ah, non. Je l'ai grossi l'image sans faire exprès. Oh, il a vu l'horreur de près. Alors du coup, c'est qui le con maintenant? Ah, oh, j'ai vu le Grand Canyon. Si tu la semaine en plus, tu peux y avoir accès. C'est plus un geyser. Hein. Arrête. Bon, c'est fini cette pute là. Oui, c'est bon. Et hop, fin du chapitre. Oh, voilà, monsieur tout le monde, on s'en bat les couilles. Elle était conne de toute façon. 46 one, une mauvaise note. Et du coup, c'est quoi la sélection? Attends, fais voir le chapitre juste. Non, choisissez rien. Ça, c'était Dami. Non, c'est pas ça. C'était fille assise dans un café, d'accord? Après, il y a drague en journée, coéquipier, bureau, et premier rendez-vous avec Kate. D'accord. Non, c'est sa sœur, hein. Il y a Oh, putain. Non, c'est pas elle. Le premier rendez-vous avec Kate, c'est elle. Si, c'est elle. Donc, la seule vidéo dans laquelle il est amené à Ken, c'est avec sa sœur. Oh, putain, oh, la vache. Ça, tu vois, ça, on a vu ça meurtrier. C'est quoi le livre de conseil, du coup? C'est pour relire ce qu'on a vu? À mon avis, c'est les scénarios, mais complets en one shoot, en fait.
Ah non, tu peux voir. Bonne réponse. Ah non, c'est ce que t'as fait. Tu peux voir, oui, tu peux voir les bonnes réponses, les réponses moyennes. Par exemple, approche-toi d'elle, on a tendance, c'était une très bonne réponse. Lance un concours de danse, c'était moyen. Mais tu peux voir les très bonnes réponses, les moyennes réponses et les mauvaises réponses en fait. C'est qui a dit que c'était une bonne réponse? Le jeu. La vie. Oui, c'est ça, c'est la vie. Le petit coup de rein dans la boîte, ça marche ça. Apparemment, non, c'est moyen justement. C'est moyen. Ce qui compte, bah, c'est une qu'on n'a pas vue, c'est une qu'on n'a pas testée en fait. Bah, faut qu'on joue. Donc, bah, évidemment, il va falloir qu'on refasse un playthrough. En tout cas, pour l'instant, on va rester tranquille. C'est quoi Super Salut sur 2? Ah, bah, ça lance une page Steam, d'accord. Ok, super. Il con. J'espère que ça vous a plu. On va passer du coup au gros de la soirée. C'était naze. À quelque chose. Non, c'était bien, t'es fou quoi. C'était le meilleur jeu de l'année. Bien sûr, c'était le meilleur jeu de l'année. Franchement, Gauthier, hein, Gauthier. J'attends une version boîte. Mais go, mais. J'attends sur Switch. Une version sur Switch, je vois des ouf sur Vita. Du coup, on va passer à Katawa Shoujo. Partez pas, je vais juste couper l'enregistrement. Et moi, je m'en vais. Dites bisous à YouTube avant. Bisous. Voilà.